tant que je... Bien, donc nous reprenons pile à l'heure notre session sur les spectacles des sons. Et elle est déjà installée, donc formidable. Nous allons commencer par une intervention de Lorraine Ashley, sur laquelle je vais vous dire quelques mots. Lorraine Ashley est docteure en histoire des spectacles du 19e siècle. En 2020, elle soutient à l'EPHE une thèse sur la direction d'Aldolf Lemoine Montigny au théâtre du Gymnase de 1844 à 1880. Ses recherches portent sur le métier de directeur de théâtre et sur l'histoire de la mise en scène. Ses principales publications sont en 2021 dans le document d'histoire parisienne « Les mariages parisiens » ou « L'histoire du théâtre du Gymnase dans une lettre de 1861 et l'année précédente, en 2020, le cabinet du directeur de théâtre, la formation de l'auteur dramatique, l'exemple d'Adolphe Lemoine Montigny, publié dans la revue d'histoire littéraire de la France. Et donc nous allons être au Gymnase, mais pas uniquement avec son intervention, dans les salles de théâtre pour commencer cet après-midi. À vous la parole. Merci cher Jean-Claude. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je tiens tout particulièrement à remercier les membres du comité d'organisation qui me permettent d'intervenir aujourd'hui au sein d'un congrès aussi passionnant et d'un lieu. Alors, tout au long du 19e siècle, le théâtre fut l'un des divertissements majeurs des Français et notamment des Parisiens. Ils s'y rendaient très régulièrement pour y découvrir les nombreuses nouveautés, revoir les classiques dramatiques, mais aussi pour retrouver leurs comédiennes et comédiens favoris. C'est également au théâtre que nous trouvons un large panel d'expressions sonores. Le tonnerre d'applaudissements, les bruyants succès, le hoquet dramatique ou encore ce fameux bruit de coulisses. Mais qu'entendait réellement le spectateur au sein de ces lieux de spectacle? Et que n'entendait-il pas? C'est sur ces deux larges questions que je souhaiterais aujourd'hui m'arrêter dans le cadre de cette communication. Communication qui se composera de trois parties distinctes, elles-mêmes inspirées du déroulement d'une sortie théâtrale pour un spectateur du 19e siècle. Dans un premier temps, je m'intéresserai au son perçu par le spectateur hors de la salle de spectacle, entre son arrivée, l'entracte, puis son départ. Dans un deuxième temps, j'étudierai les sons perçus par le spectateur dans la salle de spectacle, que ce soit avant la représentation, pendant ou à la fin de celle-ci. Et enfin, dans un troisième temps, je me pencherai sur les sons que le spectateur ne peut, mais rêve, d'entendre. Tout d'abord les sons de la scène que seule l'équipe du théâtre distingue, puis les bruits d'un théâtre fermé, les bruits de coulisses. Cependant, comme ce son au théâtre n'est pas moins visuel, je me suis permise de construire cette communication à l'aide d'un plan, celui du théâtre du Gymnase, salle de spectacle sur laquelle j'ai eu le plaisir de faire une thèse et qui m'a aidée dans cette communication. Alors attention, même si je me base en grande partie sur ce théâtre, je vais parler de façon générale des théâtres du 19e siècle. Tout n'est pas propre à cette scène et vice-versa, et nous pourrons, si vous souhaitez, échanger à ce propos à la fin de la communication. Je vais donc partir de ce plan d'Alexis Donnet pour illustrer mon propos. Pour commencer, intéressons-nous au son perçu par le spectateur hors de la salle de spectacle, puisque, en effet, une sortie théâtrale au XIXe siècle est sonore avant même d'entrer au théâtre. Plantons le décor. Le spectateur est, dès son arrivée, et même durant tout son trajet jusqu'au lieu de spectacle, englouti par les sons des boulevards sur lesquels les théâtres se trouvent. Que ce soit la circulation, les fiacres qui roulent, les sabots qui foulent le sol, la population parisienne qui se balade, bavardant, marchant parfois à l'aide de cannes, ou encore les cafés et commerces alentour, bruit de couverts, de cuisine, de chaises, etc. Paris est vivant, Paris est dynamique, Paris est sonore, comme nous pouvons le voir sur ce tableau de Raffaelli.
Au-delà de ce bruit de boulevard, d'autres sons émergent. Un brouhaha, présent durant toute cette sortie spectaculaire, mêlé entre autres aux conversations de spectateurs, se présentant au théâtre, que ce soit les retrouvailles amicales dans le cadre de cette sortie, les rires, les questionnements quant à la future pièce à venir ou encore les on-dit autour de celle-ci. Nous percevons également les vendeurs de programmes proposant un ton au-dessus, un ton de voix au-dessus, un complément aux affiches. Le jeune personnel du théâtre saluant et aiguillant les spectateurs en leur donnant quelques informations supplémentaires. Et également, si nous tendions l'oreille, nous pourrions entendre le chuchotement discret des revendeurs de billets ou de contremarques en plein trafic. Une fois le pas de la porte du théâtre franchi, le brouhaha se fait changeant. La circulation s'éloigne, mais les sons résonnent. Parmi ces sons retentissants, nous trouvons le bruit de la monnaie, les froissements de billets, les cliquetis de pièces, auprès du bureau de location, mais aussi les échanges avec les contrôleurs et le personnel chargé des vestiaires. Suite à ce passage, dans l'entrée, les spectateurs, munis de leurs billets, patientent dans le foyer. Et que ce soit en attendant d'accéder à la salle ou durant l'entracte, le foyer d'un théâtre est non seulement un lieu vivant, mais surtout le lieu symbolique des conversations de spectateurs. Simple lieu d'échange, on causait l'autre soir au foyer du gymnase, lieu de retrouvailles entre auteurs dramatiques, Lamberti Boost rencontra son ami Barrière au foyer du gymnase, lieu d'écoute discrète, on sera bien surpris, disait-elle hier au foyer du gymnase, lorsqu'on connaîtra mes dernières volontés. Mais aussi, mais encore, lieu de commérage. On parlait au foyer du gymnase du mariage de La Fontaine et de Mademoiselle Victoria, donc deux comédiens phares du gymnase qui vont, soit dit en passant, entrer, devenir sociétaires de la Comédie française par la suite. Qui s'en serait douté, disait le petit Dieudonné. Autrefois, c'était avec des mariages comme celui-là que les auteurs faisaient leurs pièces. Et au jour d'aujourd'hui, c'est avec sa pièce que Sardou, Victorien Sardou, a fait ce mariage-là. Selon le Bouffon, les artistes vont même jusqu'à organiser des Colin Maillard. Alors, il a noté que cette information trouverait plus sa place dans la dernière partie. Seulement, elle appuie sur la force de ce lieu et nous parle ici d'un jeu qui, justement, pour lequel l'écoute est maîtresse. Ce lieu, cœur d'un théâtre lorsque les spectacles se font attendre, alla jusqu'à inspirer les auteurs dramatiques Eugène Scribe, Mélesville et Jean-François Bayard qui écrivirent en 1830 un prologue mêlé de couplets intitulé simplement « Le foyer du gymnase ». Au-delà des échanges, ce foyer foisonne d'autres sons créés par divers petits métiers permettant aux spectateurs d'améliorer leur expérience théâtrale. Le ou la marchande de fleurs, nous ne travaillons pas sur l'odorat, mais il y a vraiment le nez qui est un réel sujet. Le marchand de boissons et de gourmandises, les bruits de boissons, de mâchonnements, de gorges, mais aussi le marchand de lorgnettes vendant un élément essentiel pour le spectateur. Soudain, une sonnerie annonce la pièce ou la reprise de la pièce. Le spectateur peut se rendre dans la salle de spectacle et nous passons nous-mêmes la porte de cette deuxième partie. Alors oui, je vais passer très brièvement, c'était la sortie des spectateurs qui ressemble un petit peu à l'arrivée, où cette fois-ci on va un petit peu bavarder, parler de la pièce, peut-être entendre les journalistes, mais cette fois-ci on reste quand même dans la salle de spectacle, hein, on ne sort pas tout de suite. Donc en entrant dans la salle de spectacle, le brouhaha initial, est toujours bien présent, mais quelque peu différent car l'acoustique de la salle est plus optimale pour une représentation. Le public, toujours en grande conversation, s'installe entre le grincement des portes, le claquement des strapontins, le crissement des sièges en loge, le bruissement des vêtements. Chacune et chacun est vêtu de l'une de ses belles toilettes. Le froissement des journaux et le feuilletage des programmes. Et au sein de ce brouhaha, nous décelons l'un des personnages clés du théâtre. L'ouvreuse. Ce membre du personnel qui place le spectateur dès son entrée dans la salle lui propose avec insistance un petit banc pour son confort contre quelques sous et lui distribue parfois les petits numéros. Ces ouvreuses qui crient, font peu, au moins offrant, font cliqueter leurs différentes clés, caquettent à la suite du lever du rideau de leur chuchotement inévitable et finissent par s'endormir dans un des couloirs. Une personnalité haute en couleur et par trop sonore lorsque nous lisons par exemple que « moins une ouvreuse fait de bruit en plaçant un spectateur et plus celui-ci doit lui donner de pourboire ». Augustin Chereau, auteur de Divertissement hygiénique, écrit à leur propos, alors je vais lire seulement quelques passages,
Dans un théâtre bien géré, pour que l'ordre soit assuré, savez-vous qu'il les faut nombreuses, les ouvreuses ? Filles des purotards tabans qui refusent les petits bancs comme chose trop onéreuse aux ouvreuses. Pour ceux qui donnent deux sous, peu, pense-t-elle, mais pour un peu, baiseraient les mains généreuses les ouvreuses. Dans les solitaires couloirs, elles dorment comme des loirs, pendant les pièces saupoureuses, les ouvreuses. Enfin, les trois coups résonnent et le rideau, doucement dans un coulissement sonore, se lève. Silence dans la salle ? Absolument pas. Dans cette naïve espérance de se délecter à une audition, comme l'écrit le journaliste Louis Borgex, nous devons bien vite réprimer notre inutile fureur et nous résigner à entendre le glapissement mondain des conversations, le bruit des portes et des strapontins, sans parler des allées et venues continuelles et de la course au vestiaire qui domine de beaucoup. Le corsaire ajoute le caquetage des ouvreuses, le froissement des robes, la remise des châles, des chapeaux, les remerciements aux cavaliers obligeants, les recommandations à demi-voix aux gens livrés, les chutes d'impatience du public, enfin les chuchotements, précurseurs d'une attention qui a tant de peine à devenir attentive. Tous ces mille petits riens. Le journaliste Loustalot, plus fataliste, rappelle que c'est ainsi la procédure des levées de rideaux. Les soirées commencent par un de ces actes sans conséquence, moments pendant lesquels on entend moins la voix des acteurs que le déballage des spectateurs arrivants. La pratique du spectateur n'est en effet pas la même pour l'intégralité du public. Et c'est par rapport à ces contraintes qu'il se place en fonction de ses attentes. Le directeur Montigny, directeur du gymnase de 1844 à 1880, sur qui je pourrais vous parler des heures, décrit son public dans une note adressée en 1856 au préfet de police en le divisant en trois catégories. Le public des petites places, le moins difficile, qui, je cite Montigny, vient uniquement pour le spectacle et pour en jouir, et qui veut avant tout être placé de manière à voir et à entendre, dût-il être un peu gêné pour cela. Le public aisé qui, je cite toujours, vient au théâtre parce qu'il faut aller quelque part, parce qu'il faut dépenser son temps et son argent, parce que c'est la mode d'y aller et d'aller à de certaines places. Et le public exigeant qui tient au spectacle, mais à la condition qu'il le voit à son aise, Montigny dit, à celui-là, il faut un peu de tout. Il veut voir, entendre, mais sans être trop serré, dans un bon fauteuil si c'est possible, etc., etc. Alors nous venons nous intéresser à l'audition du spectateur, mais nous pouvons aussi nous attarder sur ses propres sons. Sons liés à la réaction face au spectacle, aux réactions face au spectacle. C'est pas grave. Les applaudissements, bien évidemment, bon. Les applaudissements, bien évidemment, pardon, les rires, les pleurs, les trépignements, les murmures d'approbation, les sifflets, les huées, les chut, adressés aux bruyants, bruyants qui bavardent, mais aussi bruyants qui s'ennuient et qui se mettent à souffler d'exaspération. Certains souffles, plus longs, se transformant parfois en ronflements. Cependant, parmi ces rires, ces pleurs, ces réactions, se trouvent aussi des spectateurs gagés, la claque. Dirigée par un chef de claque qui est, et je cite ici Jean-Claude Dion dans Une histoire du théâtre à Paris, qui, de concert avec les protagonistes du spectacle, note, lors d'une dernière répétition, les moments où il doit faire intervenir ses troupes. Que ce soit pour applaudir, exprimer un murmure de satisfaction, rire, pleurer ou s'évanouir. Il sait sentir le public et s'adapte à lui. Ah. Je vous mets, j'avais mis forcément une réaction de spectatrice. La claque aide à animer une pièce, mais son applaudissement est-il différent ? Les spectateurs peuvent-ils la déceler ? Alors cela dépendait en effet des personnes recrutées par les chefs de claque. Certains journalistes vont plus loin en précisant que cela dépendait du théâtre ou tout simplement de la personnalité de son chef de claque. Selon Émile Masse, la claque des théâtres subventionnés est discrète, intelligente et de nature à provoquer les applaudissements des spectateurs indécis. La claque des autres spectacles est bruyante, fréquente, insupportable et de nature à indisposer les spectateurs contre la pièce, contre les artistes et même contre le théâtre. Mais éloignons-nous discrètement de la salle pour écouter la scène. Scène séparée de la salle, tout d'abord, par l'orchestre.
je crois que je vais poser le... par l'orchestre. Orchestre qui, dans un théâtre tel que le Gymnase, était surtout chargé de produire les airs de vaudeville, d'introduire les actes, les entr'actes, etc. Sous les feux de la rampe, le son continue. Il y a tout d'abord, et ce, bien évidemment, les comédiennes et les comédiens qui, face à ce bourdonnement constant de la salle, se doivent de brûler les planches pour dompter les spectateurs en s'imposant sur le brouhaha ou en provoquant le silence par leur talent. Un comédien qui parle dans ses bottes ne risque pas de durer au sein d'une pièce, voire au sein d'une troupe. Par ailleurs, le rapport à la voix est intrinsèque aux qualités de jeu. Les journalistes complimentent la jolie voix de ténor du comédien Achard que j'aurais aimé à... Voilà, que vous voyez ici, la jolie voix de ténor du comédien Achard, la voix naturellement comique de l'artiste Leloir ou encore le fameux timbre de voix enchanteur de Rose Chéri, vedette du Gymnase et épouse de Montigny, sur qui je pourrais également vous parler des heures. Une comédienne qui impose souvent les silences de la salle grâce à sa netteté d'articulation, probablement contrainte par cette expérience de la scène, de la salle, mais aussi grâce à son accent incisif et pénétrant qui donnait à sa voix, selon le courrier de l'Isère, une merveilleuse portée. Non seulement le public l'écoute, mais si ce n'est pas le cas, la comédienne sait se faire entendre jusqu'au fond de la salle. Le sujet de la voix est repris avec amusement par les journalistes cherchant à comprendre un four ou le faiblissement d'un succès. Par exemple, lorsque les recettes de Clarisse Arlot en 1846 se mirent à dégringoler, le Mercure des théâtres, surpris, écrit « Est-ce que par hasard Mademoiselle Rose, chérie, aurait une extinction de chaleur ou de voix ?» Les comédiens ont leur voix, mais ont aussi leurs gestes. Dans la mise en scène, le public est témoin de combats d'épées, de claques, de larmes dans la voix, de rires, de cris d'effroi, de déplacements de chaises, de coups de talons au sol, etc. Et lorsque ce son n'est pas provoqué par les comédiens, le garçon d'accessoires, en plus de sa fonction première, se charge des bruitages, les coups de feu, les sonnettes, etc. Par ailleurs, entre chaque scène, rideau baissé ou plateau à vue, plus rare, les décors étaient changés, déplacés, mis en place et provoquaient un nouveau bruit, que ce soit celui du frottement sur la scène, le déroulement des cintres et bien d'autres mouvements. Puis, dénouement. Scène finale, le rideau tombe. Dans le meilleur des cas, les bravos et les frénétiques applaudissements commencent. Le public réclame l'auteur et requiert les comédiens en criant comme un seul homme. Le tonnerre d'applaudissements recommence. Puis, les spectateurs, dans le brouhaha équivalent de leur entrée en salle, souriant ou non, ressortent. Les strapontins reclaquent. Les sièges des loges se frottent une nouvelle fois au sol et la salle se vide. Mais reprenons cette même représentation. Quittons la scène et passons aux coulisses. Passons dans l'envers du décor. Avant même les trois coups, le signal de commencement est donné par le régisseur principal, criant dans l'escalier des loges pour prévenir tout le monde. On commence, on va commencer. Puis, les trois coups sont frappés derrière le rideau, à l'aide du bâton du régisseur, un gros et lourd bâton de bois blanc arrondi avec soin, permettant notamment de signaler le lancement du spectacle à l'orchestre. De derrière le rideau, on communique avec l'orchestre. Enfin, nouveau cri dans les loges. Le rideau est levé. Dès la première annonce, les loges et les coulisses sont extrêmement agitées entre les machinistes qui se déplacent et s'installent, les garçons d'accessoires qui vérifient leur organisation, les comédiennes et comédiens aux loges situées sur plusieurs étages qui dévalent les escaliers à toute allure et répètent une dernière fois leur texte. Les rares passages par le magasin si besoin, tout est mis en place au préalable, se font. Le souffleur, quant à lui, placé avant le lever de rideau dans son trou de souffleur, est celui qui fait le lien avec la salle. En toute logique, les spectateurs ne l'entendent pas. Sauf si celui-ci souffle trop fort, si la salle est trop silencieuse ou si le comédien est dur d'oreille. Mais ils ont conscience de sa présence, ne serait-ce que visuellement avec la vue de dos du trou du souffleur. Le souffleur est celui qui sauve bien des comédiennes et des comédiens, les empêchant par exemple, comme on dit au théâtre, de rester en carafe au moindre trou de mémoire.
Dans tout ce chahut, il arrive, et ça a été un petit peu souligné par Jean-Claude, que l'auteur dramatique discret soit présent avec le directeur, observant lui-même les réactions des spectateurs face à sa pièce, écoutant et réécoutant son propre texte. Dès la première représentation, comme nous l'avons entendu en cette matinée, au sein de ses coulisses, il sait ainsi s'il sera ovationné, réclamé par les spectateurs ou non. Et c'est via ce personnage que nous passons désormais au bruit de coulisses, les sons d'un théâtre fermé au public, mais pourtant bien actif. Nous retrouvons d'ailleurs, dans un premier temps, l'auteur et le directeur, tous deux cloîtrés dans le cabinet du directeur, ce cabinet devenu Graal pour beaucoup d'auteurs dramatiques, car si vous y êtes avec le directeur, votre texte approche de plus en plus de la scène et de la première. Au sein de ce cabinet, qui est difficile de bien connaître, même pour les chercheurs, on analyse une œuvre théâtrale, on la commente, l'explique, la développe, on la transforme. L'auteur dramatique apprend, et le directeur, connaisseur des goûts de son public et des éventuelles contraintes pécuniaires, le guide dans l'écriture. Quel sera le dénouement? Développer ce personnage joué par la vedette du théâtre afin que les spectateurs pleurent ou rient beaucoup plus, etc. Donc beaucoup d'échanges. Une fois la pièce terminée et validée, donc j'ai mis un petit passage, je ne vais pas rester sur ça, du journal intime de Georges Sand qui parle justement de ses venues pour les lectures et les représentations répétitions au théâtre du Gymnase. Donc une fois la pièce terminée, validée, passée par le comité de lecture, avant d'être officiellement mise en répétition, elle est évidemment mise en lecture et... Ah, je vais trop vite, bon... Désolée. Elle est évidemment mise en lecture et la distribution se fait auprès des artistes. Et grâce à une lettre de Montigny de 1846, adressée à l'auteur dramatique Eugène Scribe, nous pouvons imaginer le déroulement d'une lecture. Montigny écrit qu'elle produisit sur tout le monde une délicieuse impression. Rochéri eut toutes ses espérances dépassées. Et c'est là que le son nous intéresse, le comédien Numa lui-même riait des effets de son rôle. Les rires, les pleurs, les divers bruits de spectateurs existent en réalité dès la première lecture au travers des réactions des comédiens. Le lendemain, une collation de rôles est mise en place permettant de vérifier que tous les manuscrits sont corrects, donc tout le monde va relire le texte, puis en scène. La mise en répétition entre les bruits de pas, les bruits de chaises et le silence imposé par le directeur chargé de la mise en scène de la pièce. Une organisation que nous découvrons ainsi. Alors là, je vais citer, parler de Montigny, donc c'est une image, comment dire, c'est une illustration de 1887, Montigny était décédé, mais en tout cas ça donne cette idée-là, en plus ça se passe au théâtre du Gymnase. L'auteur s'assied devant une petite table. À sa droite, on a placé le fameux fauteuil vert de M. Montigny. M. Derval, le bras droit de Montigny, s'assied à gauche. Silence solennel et respectueux. M. Derval regarde Montigny et chaque artiste regarde M. Derval. Si M. Montigny rit, M. Derval rit. Et si M. Derval rit, tous les artistes se mettent à rire. Si M. Montigny pleure, M. Derval pleure. Et si M. Derval pleure, tous les artistes se mettent à pleurer. Montigny lui-même était reconnu pour sa discipline militaire lors des répétitions silencieuses, sans murmure, même si celle-ci durait des heures. Assis dans un fauteuil légendaire, le fameux fauteuil vert cité un petit peu plus tôt, il écoutait, refrognait, et de sa voix forte donnait un avis, dictait un ordre. Lors de ces répétitions, il y avait parfois des énervements, des cornichons et des grues se firent entendre, des refus aussi, des propositions, des questions, des « Eh bien, monsieur Poujol !» criait Montigny du fond de la salle où il suivait les répétitions. « Cette chaise vous gêne? Eh bien, prenez-la, jouez avec elle, appuyez tout en parlant, vos mains sur le dossier, faites de la pirouetter et puis, au bout d'un petit moment, mettez-la franchement de côté et passez comme si vous étiez chez vous. Et vous, mademoiselle Pierson, ne l'écoutez pas d'abord. » Prenez ce livre qui est là, sur la table, et feuilletez-le d'une main distraite. Ou plutôt, non. Faites n'importe quoi. Tenez, ce que vous faites en ce moment. Regardez la broderie de votre mouchoir. Poujol pose sa chaise bruyamment, il s'impatiente, le bruit vous fait hausser la tête, vous vous levez brusquement et vous le regardez bien en face.
Toujours sur la scène, hors des répétitions, il y avait également les auditions, les essais, mais aussi la mise en place du décor par les machinistes. Le tout accompagné de toutes sortes de bruits et régulièrement le tintement de l'argent une fois les caisses vidées et comptées, ce qui permettait de savoir où en étaient les finances du théâtre. En réalité, de jour comme de nuit, un théâtre du XIXe siècle est toujours en mouvement, toujours bruyant. Pour conclure, très rapidement, un théâtre du XIXe siècle est un lieu sonore et de nombreux et divers sons accompagnent le spectateur durant toute sa sortie spectaculaire, sa sortie théâtrale. Codifié, ce son va même jusqu'à devenir signe de commencement d'un spectacle. Pour terminer, citons Henri Buguet, qui, de manière simple, le résume ainsi. Les contrôleurs sont à leur poste, les trois coups redoutables se font entendre, le gymnase existe. Et je vous remercie. Alors, merci, chère Lorraine, pour cette plongée dans la vie théâtrale qui est effectivement un peu un déluge de bruit. Avant de passer la parole à la salle, juste une remarque. Vous avez la gentillesse de me citer en parlant de la claque. Effectivement, la claque, en vous écoutant, je pensais à une chose, c'est qu'on pourrait s'imaginer qu'un applaudissement est un bruit neutre, enfin banal, mais effectivement, les applaudissements des claqueurs, je pense, pour un public théâtral du 19e siècle, n'étaient pas exactement de la même nature que les autres applaudissements, et que donc on pouvait savoir si c'était, on était en train de vous manipuler en applaudissant, ou si c'était un applaudissement spontané. Donc je pense que ça faisait partie aussi de cette culture théâtrale, de savoir décoder ces bruits, et on voit que les publics du 19e siècle n'avaient pas la merveilleuse sagesse et écoute que vous nous manifestez aujourd'hui, et que c'était beaucoup plus compliqué. Alors qui veut intervenir ? Poser une question. Alban Rameau, on va vous amener le micro. Je vous remercie pour votre exposé. J'ai une question sur la gravure que vous avez projetée du cabinet de lecture. C'est où est-ce que ça se passe, ce cabinet de lecture? Alors, c'est un cabinet de lecture? Le cabinet de lecture, lorsqu'ils sont tous en train de... Lorsqu'on les voit tous en train de lire. Ah oui, alors, hop, attendez. Ça fait partie d'une pièce du... Enfin, c'est dans le théâtre qu'il y a cette association de lecteurs, ou c'est dans une bibliothèque qu'il y a un cabinet de lecture? Oui, alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pris cette illustration puisqu'elle me semblait vraiment représenter un petit peu cette atmosphère de lecture, de découverte et de partage de textes. Là, on est vraiment plutôt sur un cabinet de lecture, il me semble, qui, effectivement, est dans une bibliothèque. Là, j'ai vraiment, j'aurais dû le signaler, mais c'est vrai que c'était parce que je trouvais que c'était, d'un point de vue de l'énergie, c'était assez similaire. J'ai pas trouvé justement de... Il doit en exister des iconographies de comédiennes et comédiens qui découvrent un texte. Parce que là, ce que vous voulez illustrer, c'est la troupe des comédiens qui découvrent C'était ce que je voulais illustrer, vous m'avez eu. Oui, c'était ce que je souhaitais illustrer, c'était tous les comédiennes et les comédiens qui reçoivent le texte et lisent leur propre rôle. Et par exemple, voilà, avec notamment la citation de Numa qui lui-même rit. Donc là, ils sont censés... Selon votre interprétation, de lire tous le même texte. Oui. En tout cas, selon ce que j'ai... Oui, c'était une lecture commune qui se faisait. Alors, il y a une autre lecture qui se faisait qui s'appelait la collation des rôles, mais là, c'était plutôt pour vérifier que tous les manuscrits étaient corrects. Mais là, c'était un petit peu pour illustrer, mais vous m'avez un petit peu eu sur ça. Je vous en prie. Merci. Alors, qui veut poser aussi une deuxième question piège? Je suis réceptrice des questions pièges. L'orchestre, est-ce qu'il y avait aussi, comme aujourd'hui, de l'orchestre, est-ce qu'il y avait aussi, comme aujourd'hui, les bruits de l'orchestre qui s'accordent, qui répètent quelques traits, qui grincent, etc., avant que le chef d'orchestre n'arrive, ou
Est-ce que c'est une pratique, est-ce que c'était une pratique différente ? Alors, je suis un petit peu moins spécialiste de l'orchestre, mais effectivement, il y avait des bruits. Il y a aussi, donc là, on s'éloigne du son, mais parmi les partitions que j'ai eu la chance de trouver pour le théâtre du gymnase, il y a aussi des dessins qui ont été faits sur les partitions. Donc, on aurait presque pu ajouter au son du spectacle, peut-être... les griffonnements de musiciens qui attendent le moment de jouer. Donc, mais oui, ils produisaient effectivement du son. Je me suis moins arrêtée sur cet orchestre-là. Je suis moins spécialiste, mais c'est vrai qu'il y a plein de sons qui auraient pu... Puis en fait, c'est très rapide, 20 minutes. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ces personnages. D'ailleurs, pendant qu'on passe du micro à Philippe, les musiciens d'orchestre sont toujours réputés pour être vraiment bruyants. Parce que comme ils ne sont pas utilisés en permanence, ils ont tendance à ressortir, à rentrer, etc. Oui. Et effectivement, c'est une population un peu compliquée. Enfin, par rapport au mélodrame, je pense qu'on va en parler. Et donc, c'est aussi un facteur de bruit, pas uniquement en s'accordant, mais parce qu'effectivement, la condition du musicien d'orchestre qui fait de la musique de scène dans une scène de théâtre, c'est de s'ennuyer une bonne partie de la soirée. Et donc, ils sortent, alors ils griffonnent sur leur partition, et voilà. Si, effectivement, j'ai eu le droit à des beaux portraits de comédiennes et comédiens pour les imaginer de profil, puisqu'ils l'ont fait. Mais j'ai plus entendu parler des musiciens bruyants lors des répétitions. Il est même arrivé une fois, j'ai plus la date en tête, que ces musiciens soient virés de la salle de répétition, puisqu'ils étaient beaucoup trop bruyants. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter. Alors, sur ces répétitions. Alors, on a une dernière question de Philippe, parce qu'il faut qu'on tienne le temps. Ah non, c'était Cécile. Oui, enfin, merci beaucoup. Et puis, alors, quand même juste derrière, donc on passera. C'était juste une question qui dépasse peut-être un tout petit peu le cadre chronologique du théâtre du gymnase, mais c'était pour savoir, vous avez évoqué par exemple le bruit des décors qui bougent, qui roulent. Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire du théâtre où on se dit, là maintenant, les décors, il ne faut plus que ça fasse du bruit en crissant ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le temps après ça ? Enfin là, ça s'arrête tard quand même dans le 19e siècle. Oui. Est-ce que ces histoires de bruit des décors, par exemple, c'est toujours quelque chose qui continue au début du 20e, 30 ans après, 40 ans après, toujours aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, pareil, je n'ai pas la réponse, mais je vais m'inspirer de mon expérience de spectatrice. C'est vrai qu'il arrive que des décors, pendant un changement de décor, ou même quand le plateau est visible, ça dépend, je pense, du metteur en scène, de la proposition. Il arrive aujourd'hui de découvrir un décor qui se déplace et un peu plus bruyamment, et des fois, on n'entend rien, le rideau se lève et on découvre. Donc, je n'ai pas la réponse. Comme le souffle à l'oreille, Sylvie Douche, c'est là où la musique est utile pour couvrir. Et voilà. Alors vraiment, juste une question derrière, et puis il faut qu'on avance. Voilà, deux questions. Là, je suis complètement débordé. C'est juste une petite question de lexicologie. J'ai trouvé dans le Patureau de Rebaud le mot romain pour désigner la claque. Est-ce que vous avez rencontré ce terme ? Est-ce qu'il est fréquent dans l'argot du théâtre ? Est-ce que c'est Rebaud qui l'a inventé ? Et puis, si vous voulez une typologie de tous les bruits possibles, imaginables d'une claque, vous avez la machine à gloire de Villiers-l'Isle-Adam, où un ingénieur fou imagine un théâtre entièrement machiné par des micros et des haut-parleurs qui produit à la demande tous les bruits possibles d'une claque. Je n'ai pas vu ce terme passer. Je pense que là, je regarde Jean-Claude. Mais ce terme-là... C'est un terme qu'on trouve effectivement. Il y a toute une terminologie pour les claqueurs. Mais on parle soit des chevaliers du lustre, parce qu'effectivement, il y a aussi toute une stratégie pour placer les claqueurs à différents endroits. Et aussi une gestion du coup spatiale du bruit des applaudissements qui doivent encercler finalement le public. Mais on a ce terme de Romain qui revient assez souvent. Michel Persiens. Super. Et donc une dernière intervention derrière. Merci. À quel moment de la claque s'est arrêtée ? À quel moment on a arrêté de payer des spectateurs pour faire la claque ? Et pourquoi ? Quel a été le mécanisme qui fait que ça s'est arrêté ? Alors, je n'ai pas de date exacte. Après, la claque, c'est un peu compliqué, puisque officiellement, c'est... je regarde Jean-Claude Yon, qui est plus spécialiste que moi de la claque. Si je ne dis pas de bêtises, pour moi, la claque a été toujours quelque chose qui s'est fait en toute discrétion. La claque disparaît à la Belle Époque avec des chronologies très différentes. Il y a des
Parfois, il y a des théâtres qui décident de l'arrêter et puis qui finalement la reprennent ensuite parce que ça ne marche pas. Mais c'est grosso modo avec à la Belle Époque, et ça s'accompagne d'un autre changement très important qui est le fait qu'on fait le noir dans la salle. Et je pense qu'il y a quand même un lien aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas une chronologie qui dirait c'est à telle date, c'est des évolutions selon les salles de théâtre. Et par exemple, le noir pour l'opéra, c'est après la Première Guerre mondiale. Donc effectivement, on a toute une variation. Mais en tout cas, et ça sera le dernier mot, parce que je veux vraiment qu'on continue et qu'on avance, le public quand même, tout au long du 19e siècle, je crois qu'on peut donner cette tendance, est de plus en plus réticent à se faire voler son jugement par les claqueurs. Et donc, on a parlé justement, vous avez cité, Lorraine, les chutes que disent c'est contre les gens qui barrent, mais c'est aussi contre les claqueurs en disant non, laissez-nous nous-mêmes donner notre jugement et ne nous forcez pas à applaudir ou à pleurer. Donc, il y a une sorte de révolte progressive du public contre cette façon de diriger son jugement qui est assez intéressante à étudier. Voilà. Oui, juste, je voulais juste rajouter, effectivement, parce que, oui. Par exemple, l'exemple du théâtre du Gymnase, la claque n'est pas très présente, puisque c'est quelque chose que, notamment, Montigny n'appréciait pas. Enfin, il en parle très peu, et on sent que ce n'est pas du tout un sujet qui l'intéresse, et elle ne se retrouve pas trop... Alors, on va rester dans les théâtres du 19e siècle, et j'ai le grand plaisir, pendant qu'elle vient s'installer, de vous présenter... mais là encore, on la connaissons tous bien, Sylvie Douche, qui est pianiste agrégée, diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et professeure de musicologie à Sorbonne Université. Elle a publié essentiellement des travaux sur la musique française des 19e et 20e siècles. Elle est auteure ou coordinatrice d'une dizaine d'ouvrages et de nombreux articles. Ses recherches concernent plus particulièrement les relations entre la musique et les autres arts, et notamment les relations musique-texte et musique-théâtre. Donc nous sommes impatients de l'écouter. Merci à vous et merci aux organisateurs et à nos hôtes dans cette belle maison. Siècle du spectaculaire, si j'arrive à faire... J'ai essayé les trois. Mais en général, je suis assez réticente avec les machines. Elles bloquent toujours avec moi. Et il y a encore des piles. Siècle du spectaculaire, le 19e, multiplie les emplois de musiciens, puisque quasiment toute représentation nécessite l'intervention de la musique, certes, à des degrés divers. Au milieu de la variété des divertissements proposés, notamment à Paris, je ne vais pas y arriver, il y a un autre moyen où... Je suis la seule qui ne marche pas, hein. C'est remarqué que... Mais c'est toujours sur moi. Essayez pour vous. Vous avez appuyé sur à quel endroit? Oui, mais moi aussi. Hein. Essayez juste pour moi. Bah, là, je ne vais pas avancer tout de suite. Mais oui, ouais, ça, c'était ça, c'est pour reculer, oui, justement, pour faire un essai comme ça. Mais même ça, ça marche pas. Donc, au milieu de la variété des divertissements proposés, notamment à Paris, nous choisissons de nous pencher sur un genre requérant une indispensable présence musicale, le mélodrame, décliné sous deux formes aux esthétiques radicalement divergentes. D'abord, au théâtre, avec orchestre, dans les premières décennies du siècle. Ensuite, tout autre, camériste ou avec un effectif orchestral, au théâtre ou dans l'intimité,
pour le dernier quart du XIXe. Envisager le genre du mélodrame sous ces deux formes, théâtrale et musicale, consiste à évaluer la relation du parler à la musique instrumentale. Dans un siècle qui valorise le texte et la voix parlée, on l'a déjà vu ce matin, les considérations acoustiques tiennent une place grandissante. Le cas du mélodrame théâtral, c'est ce mot qui sert à désigner des pièces de théâtre dans lesquelles une musique, généralement fort rudimentaire, soulignait et encadrait une action le plus souvent assez grossière. Voici la définition de Léon Brémond. Ce genre théâtral, mêlant l'emphase à l'invraisemblable, ne se concevait pas sans musique, elle était même incontournable. La collaboration du chef d'orchestre dans un drame n'a l'air de rien. Eh bien, c'est une erreur. Faites entrer le premier rôle sans un trait de musique. Faites sortir le traître menaçant sans accompagnement de trombone et de contrebasse. Faites jouer une scène émouvante sans trémolo de violon et vous m'en direz des nouvelles. Comment l'entendait-on ? Les partitions sont rares ou peu audibles, mais la presse d'époque ne cesse de mentionner le rôle de l'orchestre qui amplifie les actions, voire les caractères mis en scène, de façon agogique, mais également timbrique. Ainsi, la flûte s'emparait de les mélancolies, le basson et l'alto exprimaient le remords, le hautbois, la clarinette exploitaient les idées champêtres, la basse et la contrebasse annonçaient l'entrée du tyran. L'emploi simultané des trombones, de la petite flûte et des timbales, soutenus par tous les violons réunis, et traversés par une pluie de double croche, trahissaient infailliblement la présence d'une tempête ou d'un orage. Les descriptions pittoresques des stéréotypes instrumentaux présentés sont pléthores dans la presse de la première moitié du XIXe, nous démontrant une taxinomie de topos instrumentaux bien aguerris. Mais ce faisant, la médiocre qualité des musiciens constituant les orchestres de théâtre de mélodrame affleure également. Je cite. Nos malheureux compositeurs de mélodrame sont forcés de se contenter de 28 virtuoses très sujets à caution pour exprimer tous les effets dramatiques possibles. Or, l'auteur anonyme de ces lignes regrette cependant la disparition progressive du genre et prophétise. Chaque heure qui s'écoule enlève un débris de la musique de mélodrame. Venez en foule sur les boulevards recueillir son dernier soupir. Ouvrez bien les oreilles, car bientôt vous lui fermerez les yeux. Au mélodrame, la musique alterne avec les dialogues, précède et souligne les entrées et sorties de personnages, accompagne balèzes et pantomimes ou scènes de nature, laquelle est volontiers déchaînée. La musique est également chargée d'un bref épilogue final et d'une ouverture qui doit préparer les spectateurs aux aventures scéniques à venir, quoique la musique pâtit souvent de la mauvaise qualité des livrets et des compositeurs ou interprètes, on l'a vu. L'ouverture constitue le moment où l'orchestre est seul, pour ainsi dire à découvert, sans l'appui d'une scène visuelle, mais agissant comme un résumé descriptif de l'action à venir. On remarquera l'abondance des verbes d'audition dans la notice de votre dictionnaire suivante. Ouverture. Un habitué des théâtres du boulevard devine un ouvrage avant le lever du rideau. Entendez-vous les murmures des violons en sourdine ? Un cri aigu de trompette, c'est une plainte, un homme qui se noie. Puis encore les murmures des violons, ce sont les voix qui reprennent leur causerie. Un allegro succède, on dirait un jeune cavalier qui arrive. J'écoute les violons et la flûte et le triangle. Ils disent qu'on demande à boire. Entendez-vous le vin couler dans la petite flûte ? Monsieur Piccini agite son bâton. On se bat, c'est sûr, on va s'égorger. Bientôt les violons et les basses rient, et puis je reconnais un petit air emprunté à je ne sais qui. Ces évocations burlesques ne contribuent pas forcément à faire de l'ouverture un moment de mise en valeur orchestrale, si l'on en croit d'autres témoignages comme celui-ci. L'ouverture est toujours un chaos épouvantable de notes. La clarinette aboie d'un côté, de l'autre, le piston cherche querelle à la timbale, et par ce concert assourdissant, le public prend un avant-goût des terreurs et des lames de poignard qui vont se croiser sous ses yeux. Le rôle de l'orchestre semble bien défini et indissociable de la pièce.
des décors et de toute la machinerie nécessaire au déploiement d'une action dramatique outrancière et à ses multiples rebondissements. Les compositeurs de mélodrames étaient attachés à un théâtre où ils étaient chefs d'orchestre. Par exemple, Blasius Piccinni à la Porte Saint-Martin ou Caisin, s'il vous plaît, à l'Ambigu, etc. Ils auraient parfois reproché d'abuser de leurs prérogatives, ainsi que le sous-entend le critique dramatique Jules Janin. Chaque fois que l'acteur entre ou sort, trois ou quatre mesures d'harmonie, plus ou moins imitatives, annoncent son entrée ou sa sortie. Chaque personnage a un instrument qui lui est propre. L'amant entre sur le hautbois, le guerrier sur la trompette ou le tambour, la maîtresse sur la flûte, la reine sur le trombone. La musique languit, soupire ou s'emporte, elle pleure ou triomphe avec le héros. Jamais musique n'a été aussi parlante que celle de la Porte Saint-Martin. Il conclut, mais trop de musique, c'est trop d'interruptions. Les didascalies des livrets indiquent explicitement l'ambiance sonore du spectacle et la musique doit concourir à l'expression extrême. Elle doit amplifier l'action dramatique. D'ailleurs, au mi-temps du siècle, le dramaturge Auguste Vacry défend l'outrance des situations dramatiques du mélodrame et répond aux comédiens qui méprisent les interventions orchestrales. Mélodrame, ça signifie trois choses affreuses. Premièrement, émotion violente, dénouement sur la scène, agonie, cadavre, toutes les brutalités, toutes les férocités. Deuxièmement, profusion du spectacle, 6, 7, 8, 15 actes, réalité du décor. Troisièmement, musique, entrer sur des ritournelles comme des acteurs de boulevard. Tiens, je me croyais au théâtre français, je suis à l'opéra comique. Si je chantais mon rôle, je n'ai pas besoin d'apprendre ces vers-là, le public n'en entendra pas mot. Allons donc, la grosse quête, en avant, la danse des ours. Encore maintenant, c'est-à-dire en 1854, au théâtre français, dès qu'une pièce emplit la salle, on supprime l'orchestre des musiciens. La musique, en effet, c'est la voix sans verbe, c'est le chuchotement de la feuille, le dialogue de la brise avec le brin d'herbe, le mugissement du pré, le hurlement de la jungle, c'est le langage du caillou dans le sol et de l'étoile dans la nuit. Ces instruments sont les entrailles même des bêtes et des choses. Et il conclut, l'orchestre, c'est la voix du décor, le soundscape sur lequel on a débuté. Trois décennies plus tard, Beck de Fouquière le confirme. Quand la situation est de nature à faire éprouver au spectateur un sentiment quelconque, l'orchestre tient l'âme sous l'emprise d'un sentiment assez intense pour qu'elle ne puisse se soulager que par les larmes du poids qui l'oppresse. Oui, l'on pleure, l'on se pâme et l'on crie au spectacle mélodramatique, sur scène et dans la scène, dans la salle, pardon. D'ailleurs, les Français sont également réputés forcer leur voix. On applaudit avec tapage et violence que les acteurs qui se démènent en hurlant, remarque Reichardt lors d'un séjour prolongé en France, dont il se fait témoin, observant le quotidien des spectacles parisiens auxquels il se mêle. Ces descriptions constituent une intéressante caisse de résonance de ce qu'on pouvait voir, entendre, même sentir olfactivement, dans la capitale française au tout début du XIXe siècle. Il évoque, alors je ne vais pas tout lire, hein, une foule grossière, malpropre, le bruit incessant aussi des conversations particulières, les interpellations. Il est impossible à un spectateur désiré d'écouter au milieu de ce monde bruyant. La vue et l'odorat ne sont pas moins offusqués. Il parle de bière, des bottes toutes crottées. Une autre manie des gens du parterre. Non, on va laisser là. C'était pour aller dans votre sens, avant le lever du rideau. Pour échapper au vacarme, on se réfugie à l'orchestre, au balcon, à l'amphithéâtre, aux galeries. Mais là, des essaims de filles allant, venant, s'asseyant, se levant, jacassant, sans tenir compte des chutes répétées. Aussi des individus entrés avec des billets gratuits qui se croient tenus d'applaudir sans rime ni raison. Et ce n'est pas simplement de leurs mains qu'ils manœuvrent. Ils posent leur chapeau à côté d'eux, mettent leur gourdin entre les jambes et travaillent des pieds et des mains jusqu'à ce que le public exaspéré leur impose silence. À l'entracte, on est assourdi par les glapissements des vendeurs de journaux et livrets des doueurs de lorgnettes, par les cris « orgeat, limonade, glace, marchand de lonnière ». Voilà, quel vacarme.
Nous avons d'abord entrevu une des formes d'articulation de la parole à la musique instrumentale, essentiellement l'alternance, dans les premières décennies du siècle. Quittons le fracas mélodramatique du boulevard du crime, mais demeurons dans le genre du mélodrame pour en envisager maintenant un autre aspect, sa forme poético-musicale française, plus feutrée des dernières décennies du XIXe. Lorsque parut Pygmalion, cette scène lyrique de Jean-Jacques Rousseau, qui connut une prospérité internationale immédiate, nous sommes donc en 1771, elle fut donc surtout bien accueillie en Allemagne et en Bohême. En effet, récitation d'un poème souvent épique superposé à de la musique instrumentale, appelé monodrama, elle rencontre un écho des plus favorables en Europe centrale, avec Benda, Reichardt, Schubert, Schumann, Liszt, etc. Quoique cette technique puisse être parfois vantée comme seule apte à nous donner quelque idée de la manière dont la déclamation théâtrale s'unissait avec la musique chez les anciens, ce que recherchait Rousseau, les successeurs directs de ce dernier ne se croisèrent pas de suite sur le sol français, ou de façon un peu déphasée avec le mélodrame théâtral. Pourtant, un siècle plus tard, l'on assiste à un retour français du genre poétique sous le nom d'adaptation musicale, afin de se démarquer du mélodrame théâtral. Quel qu'en soit le cadre, l'alliance de voix parlée et de musique instrumentale pose des soucis d'équilibre acoustique à nos ancêtres dénués de systèmes d'amplification. Or, le 19e, ayant particulièrement promu la récitation, nous l'avons vu, la chaise distingue les lieux où l'on chante de ceux où l'on parle, car pour être facilement perçue, la parole doit arriver à l'organe de l'ouïe, simple et sans accompagnement, tandis que la voix chantée est plus agréable à entendre avec des accords et des accompagnements harmoniques. Autrement dit, pour entendre la voix, pas de musique. La présence de cette récitation accompagnée en des divers lieux, salons ou théâtres, pour des circonstances variées, lectures illustrées, divertissements salonnards, représentations lyrico-théâtrales, spectacles de marionnettes, etc. La récitation accompagnée, donc, contraint les organisateurs à imaginer toutes sortes de dispositions favorables à une perception optimale des deux médiums artistiques mélangés. La question de la voix parlée se pose d'abord. Qui, du comédien, du poète ou de l'orateur, se trouve le mieux armé pour projeter sa voix? Léon Brémond, comédien et professeur, détaille les trois façons. En général, le professeur aura la diction très claire, très étroitement liée au sens de la phrase, mais sèche et sans couleur. Tandis que le poète dira d'une manière colorée et harmonieuse, mais sera souvent trop chantant et inexpérimenté. On devine de suite où va sa préférence. Le comédien est le plus habile et le plus vivant des trois, même si Brémond reconnaît qu'il peut être le plus insupportable à entendre. L'interrogation est partagée par Maurice Bouchor, fondateur du Petit Théâtre de marionnettes. Pour lui, ce sont les poètes qui lisent les rôles. Quant au critique dramatique Francisque Sarcey, il affirme qu'on peut être un excellent professeur de diction, un maître diseur et un comédien médiocre, car dire et jouer sont deux. Et comment prendre en compte la musique? Dans l'adaptation musicale, Brémond définit son rôle de la sorte. Elle éprouve tous les contours des poèmes. Elle veille à ne pas submerger les mots sous les notes. Le statut de vassalité de la musique par rapport au texte est clair. Et Bouchard le confirme aussi, quoique ne concevant pas ces spectacles sans musique qui transfigurent le texte poétique. Pour autant, il la veut discrète, comme une humble servante de la poésie. Et pour ce faire, il envisage de placer l'orchestre derrière la scène, pour que l'harmonie enveloppe la petite scène comme une invisible atmosphère, ce sont ses mots. L'effet n'est pas nouveau. Notamment dans l'opéra du XIXe siècle, aux nombreuses séquences de spatialisation sonore, mais aussi chez Berlioz, entre autres pour Lélio, où la musique hors champ maintient l'illusion théâtrale. La conséquence spectaculaire en est l'établissement d'un décalage entre le perçu et l'entendu,
qui instaure de suite un climat de mystère atemporel. Comme Bouchard quelques années avant, Brémond, prescripteur de l'adaptation musicale, décrit sa forme au théâtre avec « rideau baissé », l'orchestre étant placé derrière ce dernier. Il est même assez catégorique, affirmant que les instruments doivent toujours être placés derrière le récitant, ajoutant qu'il y aura avantage dans la plupart des cas à les rendre invisibles. Il s'agit donc de stratifier l'écoute pour que le texte récité surgisse comme un bas-relief sur un fond théâtralisant ipso facto l'adaptation musicale. Quoi qu'il en soit, fort d'une solide expérience de l'adaptation musicale, surtout au salon, Brémond s'interroge sur l'instrumentarium le plus favorable au soutien de la poésie. Étrangement, il n'apprécie guère le piano, qui mange la voix du diseur, alors que c'est l'instrument le plus souvent employé pour ce genre. Avec le violon ou le violoncelle, la voix s'étale à l'aise et l'effet est décuplé, confie-t-il. C'est pourquoi il préfère nourrir les sons du piano par une partie de violon ou de violoncelle. Pourtant, il existe des adaptations avec flûte, comme ici, et donc sans piano, ou avec piano, comme là, et même on trouve de la voix parlée, de la voix chantée avec harpe superposée, comme ici chez Alice Sovrosis. À la place du piano, Brémond préconise l'orgue de salon, meilleur en raison de la variété de ses timbres pour la tenue et le prolongement des sonorités, ou la harpe, à condition qu'elle ne fût pas seule, car jugée insuffisante. Ses prescriptions quant à la disposition des interprètes est également très précise, soucieux de l'équilibre sonore entre le parler et l'instrumental. Le diseur doit se placer à 1 mètre en avant du piano si l'exécution a lieu dans un salon, à 2 ou 3 mètres si elle a lieu dans une salle de concert de dimension moyenne. Pour les soirées mondaines, quand on pourra placer les instruments dans une pièce voisine, tout à fait contre la porte devant laquelle se placera l'interprète du poème, l'effet sera meilleur. Si le salon est grand ou si l'exécution a lieu dans une salle de concert, un paravent sera précieux. Ici, l'invisibilité ne sert pas tant à un objectif de rendu magique qu'une intention purement acoustique. Nous ne disposons pas d'iconographie illustrant ce type d'agencement des protagonistes, mais de nombreuses peintures prouvent la disposition mélocentrée, semi-circulaire, répondante à des motivations tour à tour visuelles, acoustiques, sociales et esthétiques. Mélange de parler et de musique instrumentale, la technique mélodramatique hybride, quoique étant très fréquente dans de multiples divertissements, est souvent considérée comme impure et bâtarde, les deux ingrédients la constituant étant perçus comme l'huile et l'eau, c'est-à-dire non miscibles. Nonobstant la tentative berliozienne isolée du mi-temps du siècle, la décennie 1870 marque un tournant décisif dans l'appréhension que font les Français d'un tissu discursif parlé superposé à de la musique. Les deux entités s'aimantent de plus en plus, et sur le modèle allemand, emprunté partiellement au Pygmalion rousseauiste, elle renonce à l'alternance pour expérimenter la superposition. En l'absence de moyens d'amplification, les artistes eurent recours à des procédés d'organisation de plans sonores dans l'espace afin d'équilibrer les masses en présence. En outre, il est évident que sous un même vocable, celui de mélodrame, gisent deux réalités de mélanges musicaux textuels qui, de part et d'autre du 19e, présentent une évolution auditive notoire. En effet, du mélodrame théâtral au mélodrame musical, on passe du sensationnel à la sensation, de l'hyperbole à la litote, de la grande salle au confinement domestique, pas toujours toutefois, d'un environnement sonore bruyant, avec forte implication du public, à une écoute respectueuse, mais distancée et ritualisée et globalement logocentrée. Nous avons donc affaire à 2 champs artistiques divergents, sans qu'il s'agisse pour autant d'une totale bascule générique. Dans la période intermédiaire, globalement 1850-1870, le mélodrame théâtral disparaît peu à peu et ne renaîtra que sporadiquement avec le mélodrame hollywoodien cinématographique. Les cabarets et Kafkons ouvrent leurs portes et s'y produisent des chansonniers qui récitent des
monologue à technique mélodramatique avant les réclames, la TSF, etc. Ainsi, pour synthétiser et conclure, vous proposais-je à l'écran l'esquisse d'un schéma avec mise en relation synoptique des deux aspects du genre que nous venons d'examiner pour être le plus synthétique possible, et je vous en remercie. Merci beaucoup, chère Sylvie. C'est vrai que ce terme de mélodrame est très compliqué, et donc merci de nous avoir aidé à réintroduire de la clarté autour de ce terme. Pour réagir notamment à la première partie de votre exposé, je pense à l'édition en cours des mélodrames de Pissérécourt par Roxane Martin, où effectivement elle a aussi publié les partitions en même temps que le texte, et qu'elle a rétablit finalement l'intégrité du texte, et de l'œuvre en l'occurrence. Alors, il est 15h, on enchaînera immédiatement avec la session suivante à 15h15, qui commencera à 15h15, mais ça veut dire qu'on a du temps pour des questions, pour des remarques. Donc je passe la parole à la salle, et je vois tout de suite Françoise qui va attendre. En vous écoutant, je me posais une question qui, évidemment, est de l'ordre de la diachronie et nous fait arriver jusqu'au temps présent, et qui pose celle, non remise en question, ou remise en question, mais de façon différente, de l'accompagnement musical par le cinématographe, alors même qu'il était devenu parlant. C'est-à-dire, pourquoi et comment se fait-il que les films continuent à avoir un accompagnement musical, avec d'ailleurs souvent des topoï comme ceux que vous avez, enfin qui ont été signalés par certains des auteurs que vous avez cités, comment dire la tempête, comment dire le drame, comment dire la pureté de la jeune fille qui va arriver. Donc là, il y a une vraie question. On comprend au moment du cinéma muet, mais cette permanence de l'accompagnement musical me paraît une chose qui s'inscrit dans une histoire longue qu'il faudrait peut-être comprendre. Je suis d'accord avec vous. Je vous remercie de souligner la permanence de ce genre qu'on a dit souvent mineur et qui m'intéresse d'autant plus que nous continuons de faire du mélodrame tous les jours. Tout à l'heure, notre collègue a commencé son introduction en parlant sur la fête foraine, donc avec une présentation mélodramatique de son introduction. Bien sûr, il y avait des bonimenteurs qui, au début du cinéma muet, étaient et s'exprimaient sur le piano ou l'orchestre quand on avait les moyens d'avoir l'orchestre. Et on a conservé, d'où aussi ce flou sur les termes, parce que les mélodrames hollywoodiens sont en même temps les petits-enfants issus des histoires de mélodrames, si je puis dire, de la fiction des mélodrames du 19e, et en même temps, on utilise toujours la technique mélodramatique. C'est la technique de toutes les publicités, et puis vous allumez France Culture, France Culture commence ses émissions en parlant sur des fonds musicaux, vous avez toutes les fictions, et pas que les fictions, qui sont mises en forme mélodramatique, et puis vous avez le rap actuel, qui est une célébration mélodramatique avec un grand M, si je puis dire. Donc le mélodrame, il est dans notre quotidien, mais tout le temps, enfin la technique mélodramatique. Tout à fait. Ça veut dire quelque chose de notre perception. Voilà. Eric. Merci. Oui, mais alors, justement, là-dessus, une question de linguistique, en fait, ou de lexicologie. Est-ce qu'il faut considérer que c'est mélodrame et mélodrame qu'il y a, est-ce qu'il faut considérer que ce sont deux homonymes ? Alors que bon, la base, vous l'avez parfaitement montré, et merci pour cet exposé magnifique, la base, on l'a bien compris, elle est unique, mais quand on voit, et aujourd'hui avec la réponse que vous faites, le sens de mélodrame, ce film est un mélodrame, Vincente Minnelli fait des mélodrames, ok, et le mélodrame, la forme que vous nous avez, la différence entre la forme et la référence, est-ce qu'il faut aller jusqu'à considérer
qu'on a deux homonymes pour mettre un petit peu de clarté dans des emplois qui sont à ce point à la limite de l'incohérence. Donc, pourtant, la base étant voilà. ce qu'elle est, et ça procède d'une métonymie, on comprend parfaitement, mais le sens premier, à mon avis, si vous arrêtez quand même quelqu'un dans la rue, là, tout à l'heure, pour lui dire le mélodrame, on va vous dire, dans le meilleur des cas, un film qui fait pleurer. Voilà, ce qui est bon. Alors, voilà, je remets. Bon, est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'idée de deux homonymes, ou est-ce qu'il faut vraiment jouer avec des acceptions sémantiques qui s'expliquent par l'histoire, mais qui entretiennent de la confusion? Tout à fait. Le terme a été complètement galvaudé et en même temps asséché. Puisque on en a. Alors, moi, je ne parle pas de forme, mais plutôt de technique ou de procédé, hein, de technique mélodramatique. Donc, pour la deuxième partie, on est dans une technique mélodramatique, et pourtant, on est complètement dans la résurrection de ce que les Allemands appelaient le monodrama. Et donc, c'est encore un autre terme, ça, c'est très compliqué. Donc, je pense que ce sont des homonymes, mais en même temps, c'est le même tronc. Comme vous venez de le dire, c'est vraiment le même tronc et des branches différentes qui ont des ramifications communes. Et encore une fois, les Français ont évité cette confusion en appelant la technique mélodramatique et la résurgence de ce monodrama à la française en l'appelant adaptation musicale. Ce qui le rendait d'ailleurs pas très visible non plus. Mais pour éviter justement de l'appeler mélodrame et éviter cette confusion avec le mélodrame théâtral, celui qui va donner le mélodrame hollywoodien, le mélo, enfin, et voilà, à distinguer de la technique mélodramatique, qui est cette superposition ou alternance, en tout cas de cette relation de proximité entre le texte et la musique. Qui d'autre veut intervenir? Je vois deux mains qui se lèvent côte à côte. Est-ce qu'il y a eu des publications de musique originale de mélodrame, à part évidemment ce qui était repris de partitions déjà connues? Vous parlez de quel mélodrame? De toute la période que vous avez étudiée. Alors, comme le rappelait Jean-Claude, effectivement, Roxane Martin a édité, donc a mis à jour les partitions qui sont encore dans les fonds d'archives des théâtres, hein, il en existe encore d'ailleurs, des mélodrames de la première moitié théâtraux, hein, de la première moitié grosso modo du 19e. Il y a eu récemment deux, trois expériences qui sont poursuivies actuellement d'audition et de résurrection de cette musique, à condition qu'elle soit adossée à une représentation théâtrale, parce que cette musique toute seule, elle ne veut rien dire. Il faut absolument qu'elle soit accompagnée par la scène, la mise en scène pour laquelle elle a été écrite. Et par ailleurs, oui, il existe énormément de partitions d'adaptation musicale, de monodrama. Toutes ces partitions-là, on les a. D'ailleurs, ces partitions, en fait, souvent, comme vous le dites bien, Sylvie, elles étaient dans les archives des théâtres, mais elles n'ont pas forcément été gardées. Mais les chercheurs sont sauvés par le fait que ces partitions circulaient aussi en province. Et donc, on a des fonds à Nancy, à Lille ou à Genève qui ont été bien conservés et qui permettent de pallier les manques des théâtres parisiens, puisqu'on est quand même dans un répertoire créé avant tout à Paris. Donc il y a aussi cette idée de circulation, c'est et ça. La circulation, c'est forcément la circulation des textes et des musiques. On n'imaginerait pas l'un sans l'autre. Et puis on l'a vu dans une des citations, il y a aussi des reprises. Alors on va réexploiter, on va faire du réemploi, on va retrouver, et ça c'est le propre de toute musique de scène, pas seulement celle des mélodrames, mais toute la musique de scène du 19e, on va réutiliser soit des partitions déjà existantes, connues par ailleurs, c'est des clins d'œil aux spectateurs, un peu comme dans les vaudevilles, soit, et ça peut circuler, soit un même compositeur, un même chef d'orchestre qui devait fournir de la musique toutes les semaines, va réemployer, va les rechercher comme les décors, c'est du recyclage avant l'heure. Hein. Voilà. On a eu un très beau numéro du magazin il y a quelques années sur le recyclage, justement, donc on est tout à fait dans cet état d'esprit. Est-ce qu'il y aurait encore une question, une remarque? Je vois qu'il est 15h08. Oui, pardon, c'est vrai, il y a une deuxième question, excusez-moi. Oui. J'ai été très intéressée par cette réorganisation de l'espace instrumental, justement, qui rentre, me semble-t-il, dans un discours, disons, lié à l'esthétique romantique, c'est-à-dire la séparation entre la cause et l'effet.
l'instrument doit être mis de côté pour que l'effet soit imaginaire, quoi. Donc c'est un peu une idée qu'on retrouve fin 18e, disons à la moitié du siècle. Vous avez justement évoqué Rousseau, mais Diderot aussi se posait la question. C'est-à-dire, je veux ne pas être conditionné, je ne veux pas voir la cause pour que l'effet ressortisse d'une manière, comment dire, imaginaire, anecdotique, etc. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans beaucoup de vers, de poèmes, par exemple. La mise de côté, hein, la mise entre parenthèses de l'instrument. Et là, par exemple, on voit l'orchestre qui d'abord joue sur scène et puis elle la met dans la fosse, justement. C'est un peu ce changement de place de l'orchestre lui-même qui rentre dans une esthétique générale, ce qu'on appelle acousmatique, le voile qui sépare la cause et l'effet. C'est un peu, c'est très intéressant. Merci. On en a parlé ce matin, c'est l'œil écoute. Oui, oui. Et l'oreille regarde. Et j'avais une photo que je vous ai mise, que j'aime beaucoup, de Victor Hugo, qui est une photo prise par Maurice Vacry. Voilà, exactement. Où les yeux clos et on écoute. Victor Hugo écoute et il a les yeux fermés. Voilà. Merci. Alors, une dernière remarque ou question ? Bon. Cécile ? Oui, je t'en prie. Merci beaucoup Sylvie pour cet exposé magnifique. J'avais une question pointue. Je me demandais la taxinomie des instruments que tu as donné au début, la flûte fait ceci, le trombone cela. Est-ce qu'il y a des sortes de petits traités de l'époque qui donneraient comme ça les références psychologiques, si j'ose dire, de chaque instrument, comme plus tard il y aura des traités d'orchestration ou autre, mais là très réduits, qui donneraient des indications à l'attention des compositeurs de mélodrames, par exemple. Alors, en fait, il y a des traités, enfin pas des traités, il y a des conseils pour les compositeurs de musique de mélodrame, pas énormément, mais de façon éparse. Mais je crois aussi qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on décide que ça vient d'une tradition, et que cette tradition, elle était déjà en place avant. Et le hautbois, il était déjà champêtre, et le basson et le hautbois qu'on mettait dans les trios, des formes, etc., étaient déjà une référence champêtre. Et cette topoï existe depuis, c'est les figures qu'a dénommé Ratner. Enfin bon, tout ça, ça existe depuis le 18e minimum, et ça a déjà été codifié au 18e siècle. En fait, c'est juste la poursuite caricaturée un petit peu, et ça dépendait des instruments dont disposaient les orchestres dans chaque théâtre. Où bon, il y avait une vingtaine d'instruments, mais des fois, on n'avait pas tout. Donc, le chef d'orchestre faisait aussi avec ce qu'il avait. Voilà, j'étais toujours un peu étonnée avec la jeune fille, avec le trombone. Bon, mais pourquoi pas, voilà. Merci beaucoup. Donc, nous allons enchaîner avec la session 3 intitulée « Son du corps » qui sera présidée par Marie-Ange Fougère. Donc, je lui cède la place. Et puis, bien sûr, aux intervenants qui vont la rejoindre sur scène. Et donc c'est après cette session qu'on fera la pause de l'après-midi. Alors, pour cette session suivante, j'ai le grand plaisir de vous présenter, enfin, de vous représenter, parce que tout le monde le connaît, Jean-François Richer, qui est diplômé des universités de Montréal et de Paris 8, professeur agrégé de langue et littérature française à l'Université de Calgary au Canada. Ses travaux, comme vous le savez, portent sur l'œuvre de Balzac, à qui il a consacré deux monographies et plusieurs articles. Publié au Canada, en France, en Angleterre et en Allemagne. Jean-François Richer est également le président de l'Association canadienne des études francophones du 19e siècle. Alors, il va aujourd'hui nous parler des sons chez Balzac. Vous aviez déjà produit un article il y a une dizaine d'années sur Balzac sonoriste, je crois. Oui. Voilà. Et donc, dans la continuité de ce travail sur le colonel Chabert à l'époque, vous allez nous parler aujourd'hui de la corpophonie de la souffrance chez Balzac. Oui, merci à mon tour maintenant de remercier les organisatrices de ce colloque ainsi que
les membres de la Fondation Saint-Gerre-Polignac de nous accueillir dans ce lieu formidable dans lequel je vais faire entendre les notes de mon accent de Montréal, qui est le mien, et avec lequel je vais vous présenter donc une communication intitulée Corpophonie de la souffrance. En fait, je n'ai pas de PowerPoint, en fait. Alors, un résonateur à la fois puissant et fragile informe, merci, oui, merci, informe l'économie sonore de la comédie humaine d'Honoré de Balzac. Le corps humain, le corps de l'être balzacien bruit lorsqu'il souffre, lorsqu'il casse, lorsque le récit, aidé par son arme la plus impitoyable, le temps, travaille le corps et laisse sur lui les traces de son passage. Ce corps bruyant a trois pôles de résonance. Un premier constitué par ce que j'appellerai les bruits pulmoniques, un adjectif que j'emprunte à Balzac et qui comprend tous les sons de la mécanique cardio-respiratoire, ceux de la tête, de la poitrine, le cœur et ses battements, mais aussi les pleurs, les sanglots, les larmes, voire les dents. Ainsi que deux autres pôles bruyants qui viennent des extrémités opposées par lesquelles le corps engage le monde physique où il advient, à savoir les mains et les pieds. Dans les 20 minutes qui me sont imparties, je concentrerai mon propos sur un seul de ces trois pôles, les pieds. Dans la comédie humaine, résonne partout une bruyante podophonie. Balzac fait souvent entendre d'abord les sujets qu'il s'apprête à nous montrer. Comment? Par les pas. La botte percutant le plancher ou l'escarpin effleurant le tapis signifie l'existence indéniable du vivant. Le bruit de pas devient l'expression d'une signifiance, l'objet d'une intellection du personnage. Le théoricien de la démarche qui a été Balzac, rappelons-le, veut du marcheur savoir, et je cite, « pourquoi il marche, comment il marche ». La démarche dit ce que le corps tait. Et pour mieux faire entendre cet envers de signifiance enfoui sous les ressources de la mode, derrière les arrangements savants des apparences trompeuses, le narrateur balzacien sonorise avec mille et une nuances les actions révélatrices de la démarche. N'est-ce pas, d'ailleurs, un des traits saillants du roman balzacien que retint Marcel Proust lorsqu'il s'occupa dans son Contre Sainte-Beuve de pasticher le style de Balzac? L'arborescence sonore de la podophonie balzacienne se décline en plusieurs notes thématiques. J'aimerais cet après-midi vous en faire entendre cinq. La première, le pouvoir. La botte au talon percutant impose à l'oreille du prisonnier, de l'endetté ou du criminel, la force punitive du système carcéral chargé d'administrer la faute commise au nom de la loi, au nom du pouvoir. Le bruit cadencé de la botte militaire coupe le sujet de son passé, impose le temps suspendu de l'incarcération et annonce la punition qui est souvent fatale. L'inventeur David Séchard en sait quelque chose. Injustement emprisonné pour dette dans la prison que Balzac appelle cyclopéenne d'Angoulême, il subit les tortures sonores de cette geôle où, et je cite, « on entendait le pas régulier de la sentinelle en faction qui se promenait dans le corridor. Ce bruit monotone comme celui de la marée vous jette à tout instant cette pensée « on te garde, tu n'es plus libre ». Fin de citation. L'absence de liberté est absence de variation tonale, d'emportée rythmique, de surprise, d'imprévisibilité. Être libre, c'est être
emporté dans la partition complète de tous les possibles de la vie. La botte qui frappe la dalle froide du corridor sur un seul rythme, sur un seul ton, ouvre un espace de mort, un non-espace et un non-temps qui est l'envers même du roman balzacien. Une œuvre, on le sait, entièrement impulsée par la vie, par le mouvement, par les mouvements de la vie. Cette geôle est l'abysse dans lequel le récit pourrait tomber et disparaître. Prosper Magnan, autre victime d'un complot, se retrouve lui aussi derrière les barreaux pour un crime qu'il n'a pas commis. Le motif sonore oppressant de la botte lui parvient bientôt aux oreilles. Balzac écrit « La rumeur confuse qui se faisait entendre au dehors accusait la présence de la foule, mais le pas des sentinelles, placé sous les fenêtres de la salle, le bruit de leurs fusils dominait le murmure des conversations populaires. » Les pas des sentinelles aplanissent la rumeur, la dominent. La botte parle plus haut que le peuple. La rumeur spécule, elle cancane, tandis que la botte exécute. Sa puissance tient du geste sous lequel s'éteint la parole. David Séchard et Prosper Magnan se rejoignent donc dans l'expérience identique qu'ils font de l'injustice inhérente à un système juridique trop souvent basé, semble nous dire le narrateur, sur la turpitude des puissants. Le bruit implacable de la botte permet à Balzac de transmettre à son lecteur l'expérience vécue de cette injustice, de la porter sur un registre expérientiel qui fera de la lecture de l'œuvre une pratique synesthésique. Seconde note, l'esquive. Le marcheur balzacien recourt parfois à des stratégies d'esquive et de camouflage. Les faibles, les marginaux savent qu'ils ont parfois intérêt à marcher sans faire de bruit, à pas de loup, à pas furtif. Qu'on se rappelle Eugène de Rastignac, nouvellement arrivé dans la fameuse pension Vauquer, dont il découvre un soir les premiers mystères depuis le seuil de sa chambre. Je cite, « Il allait rentrer quand il distingua soudain un bruit assez difficile à exprimer et qui devait être produit par des hommes en chaussons de lisière montant l'escalier. Eugène prêta l'oreille et reconnut en effet le son alternatif de la respiration de deux hommes. Sans n'avoir entendu ni le cri de la porte, ni le pas des hommes, il vit tout à coup une faible lueur au second étage, chez Monsieur Vautrin. » Fin de citation. L'écoute de Rastignac ressemble fort à de l'espionnage. Elle a la force d'une attention concentrée et non l'insouciance d'une écoute spontanée. Du léger frottement d'un tissu, il extrapole un nombre, deux, et puis un genre, des hommes. Il distingue, il prête, il reconnaît. En somme, Eugène décode et analyse les sons de l'escalier, ces bruits de pas qui ne sont pas des pas. Des marcheurs marchent sans signifier leur marche. Ils ouvrent des espaces sans faire entendre ces passages. Ils vont et viennent en faisant taire leur corps en mouvement. Ils sont esprits, ils sont fantômes. Bien plus qu'au regard, c'est à l'oreille qu'il faut échapper pour bien bouger dans les envers du monde policé et contrôlé qui se développe au cours du premier 19e siècle. Cette contradiction auditive que dessine le mouvement des marcheurs inouïs conduit Rastignac aux limites du plus grand de tous les personnages de la comédie humaine, l'être de tous les contraires, la synthèse de toutes les oppositions de son époque, Vautrin. Trompe la mort, maître de l'envers du monde, il sait
que le chausson vaut parfois mieux que la botte. Il sait que dans les bruyances du pouvoir se trouvent des failles de silence où l'être habile peut se mouvoir à son aise. Du dessus, on peut écraser le monde de son talon bruyant, mais du dessous, on peut le dévorer en silence. Le général de Montriveau, par autre exemple, termine en silence ce qu'il avait pourtant commencé avec grand bruit dans les premières pages de la Duchesse de Langeais. Après avoir bruyamment signifié de son talent sa présence virile auprès de la duchesse cloîtrée, c'est sans porter de chaussures, pieds nus, sans bruit, au degré zéro de la podophonie, qu'il enlève le corps de la carmélite déchaussée. La nuit de l'enlèvement, en effet, je cite Balzac, trois hommes se mirent en faction au dehors et deux autres restèrent dans le parloir. Le reste, pieds nus, se posta de distance en distance à travers le cloître où s'engagea Montriveau. Fin de citation. L'exercice violent de l'enlèvement fait pieds nus imite la violence symbolique imposée aux membres féminins de l'ordre du Carmel, dont la déambulation doit elle aussi se faire pieds nus, ou du moins que très humblement chaussé. La soumission à l'ordre demande un pas silencieux, et c'est justement en empruntant et en imitant le pas muet voulu par cette structure de pouvoir, dans un acte de fausse dévotion, que Montriveau et ses hommes retirent le corps d'Antoinette au rituel religieux qui devait prendre en charge l'administration de son trépas. C'est dans l'ordre terrestre, égoïste des hommes et de la masculinité militaro-dominante que doit mourir Antoinette, et non dans celui de l'Église. Le pied nu permet au masculin, émasculé par les convenances du faubourg Saint-Germain, rappelez-vous, de se venger et de proprement tuer la dimension sociale de l'ancienne duchesse. Troisième note, le ridicule. À l'inverse du pas silencieux, un pas trop lourd signifiera le ridicule, voire la bêtise du marcheur et son incompréhension patente des règles de savoir-vivre qui impose à tout un chacun, chez Balzac, de correctement se signifier aux autres, c'est-à-dire en suivant les codes dits et surtout non dits de la bienséance, ou mieux, ceux de l'élégance. Un paradigme à la fois esthétique, philosophique et social dont les hommes et les femmes inférieurs, affectés au service des nantis, sont de facto exclus. L'oreille déjà habile de Rastignac, on le sait, lui, il comprendra très vite ce personnage. Il dira ceci. « J'entends Christophe, lui dit Eugène, il vous monte du bois que ce jeune homme vous envoie. » Fin de citation. Par le seul bruit des pas qu'il entend cogner lourdement dans l'escalier, Rastignac sait que leur auteur est le bruyant homme à tout faire de la pension, Christophe. Celui qui tend dans le sommeil, car il ronfle, dit le texte, que dans le labeur, ne cesse d'associer soniquement sa personne à une machine, parce qu'il ronfle comme une toupie, ou à un animal de trait, il marche comme un cheval, dont il imite le pas tapageur. Donc, ce personnage dort mécaniquement, et il travaille animalement. Sa vie est une suite infinie de gestes serviles. Ses pas pesants appartiennent à une mécanique déambulatoire acquise dans et par les exigences du labeur primitif, exécuté jour après jour par l'être de service contraint aux travaux manuels. Chez Balzac, on marche ce qu'on fait, comme ce qu'on sait et comme ce qu'on est. Et les pas de la servitude font sourire. Ils attirent sur le marcheur l'ironie du narrateur, complice du lecteur qui juge de haut l'homme et la femme d'en bas. Quand bien même celle-ci serait née, par exemple, de Conflans, comme Madame Vauquer.
Citation de Balzac. « En ce moment, les pas lourds de la coquette veuve qui descendait interrompirent les prophéties de Vautrin. » Fin de citation. Hein? Elle marche d'un pas lourd. Le féminin normatif chez Balzac n'admet pas la lourdeur et veut seulement la légèreté et toutes les proximités symboliques avec les référents essentialistes tels que l'oiseau, la fleur, la brise ou la feuille. La vraie coquette est évanescente, voire décorporisée. Le lourd appartient au masculin ou à l'homme. Surtout, le tapage des pas pesants prouve que le marcheur ignore que nos bruits, comme nos odeurs, nos vêtements, nos coiffures, nos accessoires, notre mobilier, notre demeure et ultimement nos paroles sont constamment décodés par des auditeurs au jugement facile et qu'ils doivent donc en tout temps être sciemment encodés afin de justifier, maintenir et promouvoir notre place sur l'échiquier social. Les bruits du corps, chez Balzac, font partie de ce grand système de signifiance par lequel les personnages inscrivent leur existence dans le monde. On doit bruiter de la bonne manière. Quatrième note, l'érotisme. Chez Balzac, l'homme et la femme naissent souvent dans l'oreille de la personne qui les entend. Et en retour, la personne entendant le pas de l'autre confirme son appartenance au masculin ou au féminin par sa seule manière d'écouter. Double et concomitant processus. Le pas tombant dans l'oreille construit à la fois le genre de l'être entendu et celui de l'être entendant. Aussi, le pas féminin qui tombe dans l'oreille d'un personnage masculin ou encore dans celle du narrateur sera presque toujours reporté sur le plan de l'éros, par le régime descriptif. Chez Balzac, le pas de la femme est toujours sexualisé. Des femmes dansent-elles comme au bal donné chez les Lanty en ouverture de Sarrasine? Il y a un bal, et là le narrateur entend danser. Ce sont des femmes qui dansent, voici ce qu'il écrit. Ce sera alors pour l'oreille du narrateur une suite de, et je cite, « légers frémissements de joie, des pas voluptueux qui faisaient rouler les dentelles, les blondes, la mousseline autour de leurs flancs délicats. » Fin de citation. Le son des pas féminins s'étiole à l'oreille masculine en volutes enivrantes qui traînent avec elles les thèmes conjoints de la fragilité, de la faiblesse et de l'érotisme sauvage, voire, de façon troublante, le thème de l'enfance. Tout ce réseau sono-thématique dessine une construction du féminin placée sous les signes antagonistes du danger et de l'asservissement. Félix de Vandenesse, dans un lys dans la vallée, attend au jardin le retour de Blanche de Mortsauf. Je cite, une heure se passa. J'étais assis sur la balustrade en briques quand le retentissement de son pas mêlé au bruit onduleux de la robe flottante anima l'air calme du soir. Oh, ce sont des sensations auxquelles le cœur ne suffit pas. Fin de citation. Même schéma, le pas de Blanche est indissociable du bruit de sa robe. Nul pouvoir, nulle action, nulle tension vers le politique, seulement, encore, des ondoiements sonores qui plongent l'oreille masculine dans un état de désir érotique, désir vécu sur le plan de la douleur, voire de la fatalité. Cinquième et dernière note pour cet après-midi, la mélancolie. Si chez Balzac, le pas de la femme provoque dans l'oreille masculine des fulgurances érotiques, le pas de l'homme tombant dans l'oreille de la femme plonge celle-ci, au contraire, dans une écoute à la fois statique et stupéfiante. Une posture d'hyper-attention paralysante
dont les moments les plus concentrés conduisent l'auditrice jusqu'au seuil de la mélancolie. Voici l'exemple de Caroline de Bellefeuille. Elle est si amoureuse de son Roger que ce n'est que lorsque le bruit des pas ne retentit plus dans l'escalier, fin de citation, qu'elle court au balcon pour le regarder monter dans un tilbury. Tant que les pas de Roger résonnent dans l'escalier, Caroline ne bouge pas. Elle est pétrifiée par cette talonnade si transitive pour son être. Félix de Vandenesse connaît lui aussi la puissance de son pas sur les femmes de Clochegourde, notamment sur la jeune Madeleine. Je cite, « En revenant par les perrons à Clochegourde, je vis Madeleine comme une statue, immobile et debout, écoutant le bruit de mes pas. » Fin de citation. Les pas masculins statuifient l'instance féminine qui les entend. Ceux de Balthazar Claës, l'alchimiste de Douai, à la recherche de l'absolu, font de même auprès de son épouse, Joséphine. Je cite, « La dame, donc c'est Joséphine, affligée, prête à l'oreille, et parut se recueillir. Cette femme avait entendu le pas d'un homme dans une galerie bâtie au-dessus des cuisines. Le bruit des pas devint de plus en plus distinct. Quand cet homme eut descendu la dernière marche, en appuyant ses pieds sur les dalles par un mouvement plein d'hésitation, un léger frissonnement agita la femme, assise dans la bergère. Balthazar Claës se montra tout à coup. Les pas de Balthazar provoquent auprès de Joséphine une écoute soumise, concentrée, qui n'est pas sans rappeler l'attitude auditive de la duchesse de Langeais, qui, assise dans son boudoir du faubourg Saint-Germain, concentre tout son être dans son ouïe pour mieux chercher Montriveau dans le silence de la nuit parisienne. Joséphine ajoute son exemple à toutes ces femmes perdues dans l'écoute des sonorités masculines, ses talons, ses éperons, ces chevaux mâles et bruyants qui aspirent dans leur volute sonore le regard, le souffle, l'attention suspendue de l'épouse, de la mère, de l'amante, la sœur, la voisine, la cousine. Les sons du mâle chez Balzac imposent souvent un hors-moi dans le moi féminin, un fantasme phallophonique où les sons, comme des ordres, semble inféoder l'éthos féminin à son pendant masculin. Cinq notes, donc. Les talons, les bottes, les chaussons, l'escarpin, le pied nu sur les dalles, les parquets, les planchers, les allées sonorisent les pas du marcheur et de la marcheuse balzacienne en déployant dans leurs vibrations mêlées les thèmes du pouvoir, de l'esquive, du ridicule, de l'éros, de la mélancolie. Ces percussions podophoniques redisent à qui les entend l'importance des audiographèmes dans la construction des personnages balzaciens. Leurs échos proposent une sémiotique anthropo-culturelle de la France de Louis-Philippe, car chez Balzac, dans le pas des hommes et dans le pas des femmes, c'est un peu tout le siècle qu'on entend. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention magistrale, passionnante et un petit peu amusante aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps pour cette session, hélas, donc je laisse tout de suite la parole à la salle. Philippe Hamon. Il arrive. Oui, j'ai bien aimé votre notion de corpophonie ou de... Bon, on a eu ce matin la voix et l'oreille, on a eu la main avec la claque, on a les pieds avec Balzac. Bon, c'est, effectivement, il y a là quelque chose de très bien. Est-ce que votre
pudeur, délicatesse, ira jusqu'à enregistrer les bruits non pas de la périphérie du corps, mais de parties plus centrales, de parties qui ont été même magnifiées par le pétomane aux environs de 1900 et qui ont quand même été au centre du plus gros scandale littéraire du 19e siècle, je veux dire La Terre de Zola, où le personnage principal est un pétomane. Je n'ai pas vu de communication sur le pétomane, je crois pas qu'il y en ait. Mais je dirais qu'il y a d'autres bruits du corps, peut-être, qu'il faudrait, si je reprends l'exemple de Zola, qui ne sont pas des bruits annexes, des bruits de la périphérie littéraire, mais qui ont été centraux dans l'histoire littéraire. Donc, tourner à la périphérie du corps, oui, vous le faites magistralement, il y a d'autres bruits du corps. La seule nouvelle scatologique de Maupassant s'appelle la toux. Et c'est une nouvelle où on ne tousse pas, mais où on pète. Donc, il y a aussi toute cette dimension euphémistique et évidemment périphrastique, pour ne pas dire certains bruits. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura dans les deux jours quelque chose? C'est pas prévu, il y a une pudeur du colloque. Jean-François, tu veux répondre. Oui. Alors non, je n'ai pas colligé les exemples de bruits. Alors là, vous faites référence aux bruits intestinaux, les bruits de l'appareil digestif, les bruits de toutes les formes d'évacuation, liquides et non liquides, que le corps fait. On a quelques exemples, je crois, dans... voyons. Dans les voilà, c'est ça, dans les contes drôlatiques, et même ailleurs aussi dans la comédie. Mais je ne les ai pas colligés, je ne les ai pas analysés, mais j'apprécie que vous me pointiez dans cette direction. Peut-être qu'un jour, je m'y attarderai, parce qu'il y a peut-être là donc, la mise en scène d'un corps... Oui, c'est ça, voilà, exactement, dont Balzac n'avait pas peur, c'est ça, oui, tout à fait. Est-ce que, Éric, tu veux enchaîner? Par rapport à Philippe, j'ai une question pour vous. Oui. Philippe, tu le sais mieux que tout le monde ici, puisque tu as écrit un livre sur l'ironie. Je te rappelle que Hildegard von Bingen compare le rire au paix. C'est une émanation incontrôlable et scandaleuse, c'est la voix du diable. Avec ces bruits qui surgissent du corps, pour elle, le rire et le paix, c'est le même paradigme. Et je pense que l'historique, un certain historique au moins occidental, vient de là. Et pour Balzac, dans les contes drôlatiques, les joyeusetés du roi William, c'est exactement quand même de ça qu'il s'agit. Oui. Mais Jean-François, surtout vous féliciter et vous remercier publiquement, parce que c'est une virtuosité absolument sans nom, toute balzacienne. Bravo, cette lecture de la théorie de la démarche. Par corpophonie, c'est absolument admirable. Ce n'est en rien une critique ni une réserve, c'est juste, je trouve que la virtuosité de votre démonstration, elle doit peut-être plus à la langue française qu'à Balzac lui-même, parce que j'ai quand même l'impression que la matrice de toute votre virtuosité, c'est le mot « botte ». Plus que dans tout ce qui, à mon avis, ce qui vous a permis de comprendre tout ce que vous avez proposé. Alors Jean-Claude Dion ici va pouvoir vous chanter toutes les bottes chez Offenbach, puisqu'il y en a pas seulement les bottes des carabiniers, mais enfin il y en a absolument partout. D'accord. Et là, je pense, mais de façon plus sérieuse, c'est que je pense qu'on est dans une question de cratilisme, complètement, avec le mot botte, tout simplement avec ici la dentale finale, la bilabiale à l'ouverture. Et un O qui, suivant l'accent régional, n'est-ce pas, le vôtre ou le mien, se modifiera. Je pense qu'on a vraiment ici l'arbitraire du signe qui est interrogé puissamment par le mot botte et beauté, évidemment, botter les fesses de quelqu'un, etc. Et cela, je trouve que c'est cette interrogation cratilienne qui est posée par la dynamique sonore et poétique de Bott, qui vous donne entièrement raison, et pour moi est la matrice de toute votre démonstration. Je
reste peut-être un petit peu réservé ensuite sur quand c'est pas les bottes, je trouve que ça fonctionne peut-être moins bien. Par rapport à cet arbitraire du signe qui réinterrogeait. Ici, là, ça fonctionne très bien. Pour les chaussons ou les pieds nus, me semble-t-il. Mais, une minute pour répondre, parce qu'hélas, le temps tourne. Je serai sauvé. Pardon ? Des talons ? Ah oui. On entend des talons. Donc là, je n'ai pas d'exemple sous les yeux. Enfin, merci à Éric Bordas pour son commentaire. Je vais y réfléchir et je reviendrai avec une réponse un peu plus intelligente. Et je ne vais pas déborder et empêcher. Non. Merci beaucoup en tout cas. Et nous allons pouvoir laisser la parole à Sophie Panziera, qui est docteure en histoire de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse associée au Centre d'histoire du 19e siècle. Sophie Panziera a fait sa thèse sous la direction de Dominique Khalifa, puis Laurence Guignard, thèse soutenue en janvier 2023, et qui porte sur les normes et les imaginaires du sommeil au XIXe siècle. Et donc Sophie Panziera va nous présenter une communication intitulée « Bruit, berceuse ou silence, sommeil et sensibilité sonore au XIXe siècle ». Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents et présentes aujourd'hui. J'aimerais à mon tour remercier le comité d'organisation de me permettre de vous présenter mon travail aujourd'hui et aussi remercier Marie-Ange Fougère pour la présidence de cette session consacrée au son du corps. Ma communication propose de prolonger les questionnements qui ont émergé durant mon travail de thèse consacré aux normes et aux imaginaires du sommeil au XIXe siècle. Dans ma thèse, je montrais entre autres comment au XIXe siècle apparaît une attention sociale au sommeil qui gagne de plus en plus en importance. La durée moyenne du sommeil conseillée est allongée par la science médicale de 6 à 8 heures, et cette norme des 8 heures est ensuite réappropriée par les syndicats ouvriers qui vont revendiquer la journée de 8 heures en demandant 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, mais aussi 8 heures de sommeil. En ce sens, le tournant du XXe siècle peut ainsi être lu comme un moment de revendication du droit au sommeil pour toutes et tous. Je vous propose aujourd'hui de prolonger cette réflexion en interrogeant la nature du silence lié à la revendication au droit au sommeil qui émerge au cours du XIXe siècle. Il s'agira de se demander si la diminution des seuils de tolérance au bruit nocturne induit une proscription de tous les sons de la même manière. Est-ce que finalement l'univers sonore du sommeil se doit d'être totalement silencieux ? Pour répondre à cette question, je propose dans un premier temps de revenir rapidement sur le processus d'insonorisation de l'environnement du sommeil au XIXe siècle, en développant notamment l'exemple, non pas des pets, mais de la disqualification du ronflement que j'ai étudié dans ma thèse. Dans un second temps, j'aimerais montrer que la demande de désonorisation du nocturne révèle des conflits liés aux usages de la nuit et à la cohabitation dans des mêmes espaces, souvent urbains mais pas que, de différents rythmes sociaux de sommeil. Enfin, dans un troisième temps, je m'intéresserai aux sonorités qui sont, au contraire, préconisées pour induire le sommeil, en interrogeant notamment l'évolution des représentations de la berceuse au XIXe siècle. Mais tout d'abord, revenons sur le ronflement. L'importance du sommeil et du bien dormir s'affirme ainsi tout au long du XIXe siècle. Plusieurs historiens et historiennes ont mis en lumière une baisse des seuils de tolérance sonore, notamment traduite par l'isolement sonore de la chambre à coucher et une exigence accrue de silence nocturne. Je pense notamment aux travaux d'Alain Corbin, d'abord dans Les cloches de la terre, qui nous montre comment finalement les cloches des églises peuvent poser des problèmes de conflit à l'intérieur des villages, puisqu'on se fait de plus en plus réveiller par les cloches, ou en tout cas on s'en plaint de plus en plus. Et aussi, on l'a évoqué ce matin, son ouvrage sur l'histoire du silence qui revient entre autres là-dessus. On peut aussi penser à Christophe Granger, qui dans un article du XXe siècle interroge la place du coq et du klaxon, mais plutôt sur une perspective de la fin du XXe siècle. Et enfin, la thèse de Manuel Charpie, qui s'intéresse à l'évolution des intérieurs bourgeois au XIXe siècle et qui met justement en scène cette insonorisation progressive de la chambre à coucher qu'on va petit à petit thésauriser comme le cœur de l'intime et donc retirer le plus possible de la réception publique à l'intérieur de l'intérieur,
et la chambre à coucher va être le plus possible isolée de tout bruit, c'est-à-dire éloignée à la fois du salon de réception, mais aussi de la cuisine, de là où on peut entendre tous les bruits des domestiques. Et donc, le but est bien, entre autres, de trouver l'emplacement au sein de l'organisation de l'appartement où la chambre est le plus silencieuse pour pouvoir la consacrer comme un temple, entre autres, du sommeil. Cette reconfiguration des espaces n'est cependant pas sans poser de nouveaux problèmes, au premier rang duquel on trouve les gênes olfactives ou auditives causées par les bruits corporels du conjoint ou de la conjointe, puisque le XIXe siècle est aussi l'affirmation bourgeoise du mariage d'amour et donc l'avènement de la chambre conjugale qui remplace les chambres séparées des deux époux. En 1901, le journaliste Xavier Pelletier insiste ainsi dans le quotidien La Presse sur les avantages de dormir seul. Je le cite. Sans aller jusqu'à dire que la vie commune est un échange de mauvaises humeurs pendant le jour et de mauvaises odeurs pendant la nuit, il est certain qu'à tous les points de vue, le sommeil solitaire est plus reposant. Et sans insister, on comprendra très facilement comment concilier les exigences de l'hygiène et celles du sentiment. 10 ans plus tard, c'est au tour de l'écrivain Pierre Mille de consacrer sa chronique en une du Petit Marseillais aux inconvénients nocturnes qui empêchent de dormir. Ce n'est plus les odeurs qui l'accommodent le plus, ce sont bien les bruits qui proviennent de l'extérieur comme de l'intérieur de la chambre à coucher. Il introduit son propos en comparant la mécanique industrielle et la mécanique corporelle par l'insupportabilité des sonorités qu'elles produisent. Je le cite. « Mon horreur la plus particulière est pour les tramways mâles. Je veux dire ceux qui cornent. Ils ressemblent à quelqu'un qui ronfle et jamais je n'ai pu supporter qu'on me ronflât aux oreilles. Ça me rend malade, ça m'exaspère. Je n'ai jamais compris que la loi n'ait pas inscrit le ronflement dans les cas de divorce au nombre des injures graves ou des sévices. Tout comme l'on peut distinguer les tramways femelles qui sonnent et les tramways mâles qui cornent, les ronfleurs peuvent ainsi avoir leur typologie de nuisance sonore, selon Pierre Mille, qui propose de faire un traité sur la ronflomanie. Et il dit que ça serait un très gros traité, car, je le cite encore, les ronfleurs mettent, dans l'exercice de leur infirmité, une fantaisie, un art, une variété qui m'intéresse volontairement et dont j'enrage cependant. Il y en a qui jouent du cor de chasse, ce sont les barytons de la confrérie. D'autres, dont on jurerait qu'ils ont une flûte quelque part, ce sont les ténors. D'autres font de si drôles de petites modulations que, au moment même où on les envoie au diable, on a envie de rire. Mais je n'aime pas rire toute la nuit. C'est mauvais pour la santé et je ne vais pas au lit pour ça. D'autres, enfin, sont lugubres. Ils ont l'air de râler, d'agoniser, de rendre l'âme. On voit bien ici que le bruit du ronflement devient un vrai problème pour le sommeil de Pierre Mille, problème auquel il est confronté dès qu'il ne dort pas chez lui, puisque chez lui, il vit seul, dans une chambre dont les portes et les fenêtres sont capitonnées pour ne rien entendre des bruits de l'extérieur. Pierre Mille n'est pas le seul à se plaindre du bruit nocturne et du caractère intolérable du ronflement. On retrouve également ce thème au théâtre. Effectivement, au cours du XIXe siècle, le ronflement n'est plus seulement évoqué dans la conversation, comme on peut le voir aux périodes précédentes, mais fait son apparition sur scène. En 1868, le Palais Royal présente ainsi une pièce de théâtre intitulée « La consigne est de ronfler » de Lambert Thiboust, qu'on a évoqué ce matin. Cette pièce est un véritable succès et connaît des reprises jusqu'à la fin du siècle, à Paris et en province. Le vaudeville met en scène un capitaine d'infanterie, nommé Tavernier, qui brûle de rejoindre l'un de ses premiers amours au bal de l'opéra. Il a cependant peur de se faire surprendre par sa femme, alors bien qu'elle fasse chambre séparée, celle-ci vient souvent se présenter à sa porte pour s'assurer de son sommeil. Il a alors l'idée d'ordonner à l'un de ses fusillés, Landremol, de se coucher dans son lit, avec pour consigne expresse de ronfler. L'imitation du ronflement, il constitue alors un ressort comique pendant plusieurs scènes, qui donne la réplique aux différents personnages qui vont se présenter à la porte de Tavernier. La tolérance face au ronflement semble toutefois diminuer au fur et à mesure que l'on avance dans le siècle, et de ressort comique qui prête à sourire, il se change progressivement en un bruit capable de déclencher des réactions bien plus violentes. En 1895, alors que les déboires de Tavernier et Landremol sont toujours à l'affiche de plusieurs théâtres, le compositeur Armand Bourgeois intitule son vaudeville « La consigne n'est pas de ronfler ». Il y met en scène un bourgeois de 35 ans, nommé Célibaton, qui refuse de se marier de peur de tomber sur une femme qui ronfle. Il va mettre en place tout un stratagème
pour voir si sa fiancée ronfle, notamment, ça implique un dîner avec des somnifères pour l'endormir, pour voir si elle ronfle ou si elle ne ronfle pas. C'est très rigolo à lire. Si Célibaton sait qu'il ne pourra souffrir de partager sa couche conjugale avec une ronfleuse, c'est que dans chaque situation où il a été confronté à ce bruit nocturne, cela l'a plongé dans un état de nervosisme avancé qui l'a plusieurs fois amené à agresser le ronfleur qui l'empêchait de dormir. Ce comportement violent l'amène plusieurs fois devant la police et la justice. Au-delà des planches, on trouve ainsi nombre de faits divers où des voisins exaspérés ont recours à la violence contre des ronfleurs dont les sons nocturnes traversent les cloisons des hôtels, mal insonorisés ou des appartements. En 1880, c'est ainsi un cuisinier irascible, François Raget, qui provoque une rixe avec son voisin à cause de ses ronflements quotidiens et incessants. Dans la bagarre, il lui donne un coup de ciseau en pleine poitrine. La victime est portée à l'hôpital dans un état très grave et Raget est immédiatement remis entre les mains de la police. L'intransigeant titre « Pas ronfler ou la mort ». Si l'issue n'est pas toujours aussi fatale, l'exaspération causée par le ronflement amène plusieurs fois à ce genre de comportement. L'intolérance au bruit est alors évoquée comme une circonstance atténuante pour l'auteur des violences. En 1885, le journal La Lanterne reporte ainsi qu'en Angleterre, un jury a acquitté un homme par le motif que les ronflements persistants de son compagnon de lit constituaient une provocation de nature à justifier de pareilles représailles. Les remèdes pour pallier au ronflement sont donc de plus en plus recherchés. Dans la presse, ils font régulièrement l'objet de réclames, de brèves ou constituent un sujet privilégié du courrier des lecteurs. Lorsque La Lanterne lance ainsi une nouvelle rubrique destinée à répondre aux questions posées par les lecteurs, le ronflement est l'un des premiers sujets abordés par une lectrice qui demande si un médecin ou un autre lecteur n'aurait pas un remède capable de guérir le ronflement. Les réponses sont nombreuses et diverses, boucher le nez du dormeur, le changer de position, siffler, etc. Le ronflement devient alors un objet de préoccupation médicale. Ainsi à la demande d'un public qui va lui demander d'arrêter ces bruits qui sont devenus insupportables en partageant la couche conjugale. En février 1870, plusieurs quotidiens rapportent avec enthousiasme la mention d'un instrument délicat qui, placé sur le nez, étouffe complètement tout bruit incongru s'échappant des narines, baptisé l'ami du ronfleur. Progressivement, le ronflement est présenté de plus en plus comme une infirmité corporelle, et va devenir pour les médecins non plus signe d'un corps en bonne santé comme ça pouvait être le cas au début du siècle, mais celui d'un corps relevant d'une mauvaise hygiène. La lutte contre les ronflements intègre ainsi, au début du XXe siècle, au même titre que les bruits de la ville moderne, la lutte contre des sonorités qu'on ne saurait plus tolérer et qui, dans certains cas, devraient être affaire de justice privée. À la suite d'Alain Corbin, on pourrait ainsi intégrer la lutte contre le ronflement à l'émergence d'une revendication d'un droit au sommeil, fortement relié pour l'historien, à celle d'un droit au silence, manifesté entre autres par la lutte contre la sonnerie matinale des cloches d'église. Dans un second temps, j'aimerais donc proposer d'étudier un peu plus précisément ces revendications au droit au sommeil, médiatisées dans la presse et parfois judiciarisées. L'expression « droit au sommeil » se retrouve en effet telle qu'elle dans les colonnes journalistiques du tournant du XXe siècle. On peut y découper une typologie des sonorités contestées dans la lutte contre les bruits nocturnes qui proviennent de l'intérieur du foyer, comme c'est le cas pour le ronflement, mais également de l'extérieur de la chambre à coucher. C'est sur cette catégorie que j'aimerais me pencher un peu plus maintenant. La demande de désonorisation du nocturne révèle en effet les conflits liés aux usages de la nuit et à différents rythmes de sommeil. On retrouve d'abord nombre de conflits privés dans les colonnes des faits divers. À la star des exemples que nous avons déjà évoqués pour le ronflement, on retrouve tout d'abord, à partir du dernier tiers du XIXe siècle, mention dans la presse de ces conflits privés qui ont pour objet le bruit des voisins qui les empêchent de dormir. À titre d'exemple, le 19 mai 1870, l'hebdomadaire de jurisprudence et de législation Le Droit rapporte une affaire ayant mené devant la justice un conflit entre locataires et propriétaires parisiens de la rue Lepelletier dans le 9e arrondissement. Le locataire se plaint que son propriétaire, qui possède aussi les locaux juste en dessous de son appartement, fasse faire des travaux qui commencent dès avant 7 heures du matin. Le locataire va donc devant la justice pour réclamer au juge qu'il statue pour que les travaux ne commencent pas avant 9 heures du matin. Un compromis est trouvé pour 8 heures. Cette affaire n'est pas la seule et ce type de bref se multiplie au fur et à mesure qu'on avance dans le temps.
Au-delà des conflits privés, auxquels on demande de plus en plus à la justice ou à la police d'intervenir, on retrouve également nombreuses plaintes en ce qui concerne les bruits venant de l'extérieur des maisonnées, qui confisquent le droit au sommeil des citoyens et montrent notamment l'émergence des plaintes pour tapage nocturne. Le Code pénal de 1810 introduit en effet dans l'article 479 la notion de tapage nocturne. Il stipule que seront punis d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement les auteurs ou complices de bruit ou tapage injurieux ou nocturne, troublant la tranquillité des habitants. Mais bien que cet article existe, il semble peu utilisé, ce qui fait l'objet de nombreuses réclamations. Au-delà des conflits privés, on retrouve un nombre de plaintes sur les bruits publics. Je vais m'arrêter quelques instants sur un vacarme qu'on a déjà étudié ce matin avec l'intervention d'Agnès Curel, puisque, mais cette fois-ci, pas du point de vue du flâneur qui découvre la fête foraine, pas du point de vue de celui qui s'intéresse à la multiplicité des sonorités de la fête foraine, mais bien celui de ceux qui habitent à côté de la fête foraine, hein, et qui vont, par nombre de pétitions, manifestations, etc., se plaindre contre le bruit nocturne qui les empêche de dormir des fêtes foraines. C'est ainsi, hein, d'abord contre les bruits nocturnes saisonniers que cet article du Code pénal tente d'être utilisé par les habitants et les habitantes urbains contre les nuisances provoquées par les forains. Le quartier parisien de Montmartre s'illustre notamment par nombre de pétitions et de manifestations afin de réclamer le déplacement des forains qui s'installent périodiquement dans leur quartier. En novembre 1888, par exemple, le journal Paris annonce une manifestation pour le droit au sommeil. Je ne résiste pas à vous citer le début de l'article. Montmartre descend, tel sera le cri que pousseront lundi les habitants des quartiers du centre à l'annonce d'une redoutable avalanche humaine où l'on verra s'avancer d'un pas sûr et tranquille, calme, silencieux, sans armes, les écrivains, les artistes, les commerçants, les rentiers, bras dessous, fraternellement unis dans la revendication du droit au sommeil, au travail ou à l'étude. Les députés de cette masse imposante exposeront leurs doléances à monsieur le lieutenant de police. Ils lui remonteront que, depuis des années, dure une lutte entre la population des boulevards extérieurs et messieurs les forains. Ils lui diront que ces derniers, ayant remplacé par l'aspect de la vieille parade par des roulements de grosses caisses et des orgues à vapeur, sous de vains prétextes, viennent planter leurs tentes sur les boulevards, que là, chaque jour de midi à 11h du soir, ils font un vacarme féroce, sauvage, infernal, inouï. Malgré ces protestations et ces manifestations, rien ne semble changer puisque 20 ans plus tard, on retrouve le même genre de plainte, le même marronnier reporté par le Gil Blas. Le journaliste est un peu moins complaisant que son confrère, rapporte que les habitants de Montmartre ne sont jamais contents le temps que dure la foire des boulevards extérieurs, avant d'ajouter que chaque année, c'est la même histoire. Les habitants de Montmartre se plaignent qu'ils ne peuvent pas dormir, que leurs malades passent de vie à trépas, qu'ils sont neurasthéniques et qu'ils gagnent des migraines atroces. On retrouve, hein, dans ces deux articles, le premier, j'ai oublié de le dire, cette image, hein, d'une espèce de commune pour le droit au sommeil qui descendrait à Montmartre contre les forains, et dans le second, hein, cette idée qui était déjà évoquée ce matin, que trop de bruit qui provoque ici l'insomnie, hein, amène ensuite à la maladie nerveuse. Les Montmartrois ne sont pas les seuls à exprimer leurs protestations collectives contre les forains. On retrouve le même genre de protestation en 1890, par exemple par les habitants de la place Gambetta de Saint-Étienne. Le mémorial de la Loire et de la Haute-Loire a reproduit une pétition adressée à la municipalité par un collectif d'habitants pour signaler une situation insupportable due à l'installation d'un tir à la carabine par les forains. Outre les fêtes foraines et saisonnières, c'est de plus en plus l'ensemble des bruits nocturnes de la ville, mais pas seulement de la ville, qui vont être l'objet de plaintes des habitants. De nombreux courriers des lecteurs dans la presse se plaignent des bruits extérieurs de la ville, des bruits des trains, des voitures. J'accélère un petit peu parce que je manque de temps. Mais aussi, hein, à la campagne. On se plaint des fêtards qui troublent le sommeil des habitants. On se plaint aussi des chats errants ou encore des coqs. Un seul exemple, en 1912, la Dépêche de Saint-Étienne publie le courrier d'une lectrice qui se plaint des tas de chiens errants qui ne font que hurler toute la nuit, auxquels il faut ajouter les ivrognes qui chantent à tue-tête les samedis et dimanches soirs, et enfin les deux ou trois chantecleurs qui s'égosillent avant l'aube. Elle réclame pour y remédier et pouvoir dormir une rafle des chiens errants, une muselière aux coqs et le violon, comprenant la prison, aux ivrognes. Ces réclamations se multiplient donc.
visant les fêtards, les noctambules, mais aussi l'ensemble des bruits nocturnes et même les bruits nocturnes relevant des travailleurs. À l'image des ouvriers réveillant le locataire à 7 heures du matin dans l'espace privé, on retrouve ce genre de plainte pour l'espace public. À Rennes, on va se plaindre ainsi des paysans qui arrivent pour le marché pendant la nuit et qui, comme tout bon paysan, ont des chiens. Et donc, on va se plaindre de ces chiens qui aboient et réveillent donc les riverains en passant sous leurs fenêtres pour aller installer le marché. Les Rennais demandent alors qu'on interdise les chiens la nuit pour ces paysans qui viennent travailler. En 1901, c'est contre l'installation de sirènes pour appeler les ouvriers à l'usine le matin que se lèvent les habitants de la banlieue parisienne. Ces sirènes qui les réveillent à 6 heures du matin pour appeler les ouvriers à l'usine. À la fin du 19e siècle, on voit donc une montée de ces plaintes contre le bruit nocturne au nom d'un droit au sommeil qui révèle bien une modification de la tolérance sonore face au bruit, que ce soit par l'apparition de nouveaux bruits mécaniques, la sirène, certains orgues de barbarie, je ne me suis pas arrêtée très longtemps parce qu'on en avait déjà parlé ce matin, ou bien la persistance d'anciens bruits, les chiens, les travaux, etc. Il me semble qu'elle révèle également les conflits liés au développement de différents rythmes sociaux de sommeil face à une vie nocturne de plus en plus présente et surtout qui s'exprime dans l'espace public, que ce soit pour la fête ou le travail. Elle met en avant des différents rythmes de sommeil entre les urbains et les ruraux, entre les artistes et les ouvriers et les bourgeois, entre les différents types d'ouvriers, etc. Face à l'apparition de nouveaux bruits modernes et mécaniques, on réclame soit le silence, soit le retour à des bruits plus traditionnels. Ainsi, je vous évoquais les sirènes des usines, on réclame le retour à la cloche pour appeler les ouvriers, qui réveillent moins les riverains. Dans une toute dernière petite partie, j'aimerais interroger cette disquette. Oui, dans une toute petite partie de 4 phrases, j'aimerais quand même préciser que si on a toute cette disqualification des bruits nocturnes, on va aussi avoir certains bruits qui vont être promus, certaines sonorités qui vont être réputées favoriser l'endormissement. Donc on réclame le silence pour le sommeil, mais ce ne sont pas tous les bruits. Les médecins, les manuels de jeunes filles vont parler de bruits qui peuvent favoriser l'endormissement, notamment les bruits monotones, qui peuvent être issus de la nature, comme le crépitement d'un feu de cheminée ou encore le bruit d'un ruisseau qui coule, mais aussi la berceuse, qui jusqu'au début du 19e siècle, quand on disait bercer, berceuse, en tout cas les dictionnaires, etc., on référait principalement au mouvement de balancement, c'est-à-dire à la gestuelle du bercement, et que finalement, on associe la chanson chantée par les nourrices populaires entre guillemets, dans les définitions que dans un deuxième temps, au cours du 19e siècle, et progressivement, alors que le bercement manuel est de plus en plus controversé, voire critiqué par les médecins, on va avoir, la berceuse ne va plus devenir le geste, mais seulement la chanson, la mélodie, qui en plus passe de la nourrice populaire jusque-là, et va arriver à un genre plus noble, c'est-à-dire va être la berceuse, l'objet de multiples compositions et compositeurs. Pour conclure, plus qu'une insonorisation de l'univers sonore du sommeil, on insiste ainsi au XIXe siècle à une recherche, une classification et une hiérarchisation des ambiances sonores, anciennes ou nouvelles, du sommeil. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je suis heureuse de soumettre ces réflexions à la discussion. Je m'excuse pour la petite accélération finale. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention très très intéressante. La parole est à la salle, Jean-Claude Dion. Merci beaucoup pour cette très belle intervention. Pour justement aller dans votre sens, vous avez bien fait d'insister sur la consigne de ronfler, qui effectivement est une pièce qui a eu beaucoup de succès, et notamment elle a un élément un peu anecdotique mais qu'on peut rappeler, c'est la dernière pièce qui a été jouée en fait sur le théâtre de la cour à Compiègne lors des dernières séries en novembre 1869. C'est la seule fois que le Palais Royal vient, et ça a eu beaucoup de succès, notamment parce que donc le rôle du ronfleur, le rôle de l'André Molle, était créé par Jules Brasseur, qui était quand même une grande vedette comique, qui avait créé le rôle du Brésilien, d'ailleurs rôle à accent dans La Vie parisienne. Donc le fait aussi que cette pièce ait été jouée à la cour devant l'empereur montre bien son importance, et vous en avez très bien parlé, donc merci d'insister sur cette pièce qui, du coup, je pense, a vraiment, pour le thème du renflement, eu un vrai impact dans la société. Oui, de fait, vu
puisqu'elle est jouée pendant pratiquement toute la seconde moitié du 19e siècle, énormément, hein, à toutes les saisons, tous les ans, etc. Et jusqu'à qu'on en refasse une référence. Hein, donc, de fait, ça montre bien le succès, puisque... Et en plus, bien sûr, hein, comme c'est, on en parle dans la presse, il y a des gravures, etc. Donc, effectivement, ça ancre ce bruit nocturne comme un des composants du sommeil, je dirais. D'autres questions? Moi, j'en ai une. Est-ce que vous pourriez revenir, puisque du coup, il nous reste un peu de temps, je vous ai pressé pour rien, sur la berceuse dont vous avez parlé à la fin. Donc, vous nous avez expliqué très rapidement que ça passait du mouvement à la musique, c'est cela? Alors, oui. Alors, la berceuse musicale n'a pas été inventée au 19e siècle, bien entendu. Hein. Vous avez plein de spécialistes et de musicologues qui me hurlerait dessus si jamais j'osais prétendre ce genre de choses. Mais ce qui m'a intéressé, c'est bien de voir que elle acquiert ses lettres de noblesse entre guillemets, et elle va être d'une pratique d'une nourrice populaire, hein, pour qui on n'a pas beaucoup d'égards, même si on laisse ses enfants aux nourrices, hein, qu'on soit des classes bourgeoises ou des classes populaires. Il y a depuis en plus la fin du 18e siècle une espèce, hein, de condamnation des nourrices qui laisseraient, qui seraient en partie responsables de la forte mortalité infantile. Hein, donc on va de plus en plus les contrôler, les critiquer, etc. Et donc, hein, on a vraiment, en tout cas en termes, que ce soit les définitions du dictionnaire ou même, hein, les rapports sur justement les manières d'endormir les enfants, bercer et la berceuse, c'est quelque chose que fait la nourrice, et c'est d'abord le geste de balancement, et occasionnellement elles peuvent être accompagnées de paroles monotones ou d'une chanson populaire de la nourrice, puisqu'elles sont toutes, hein, de milieux très modestes, et donc, hein, c'est plutôt une espèce de chanson patois, souvent peu compréhensible des observateurs. Et au fur et à mesure, on voit, ben, on condamne le balancement qui peut, d'après certains médecins, mettre en danger la vie du bébé, etc. Donc, les consignes qu'on donne aux jeunes mères, c'est bien entendu ne plus bercer les enfants. Mais par contre, on dit qu'il n'y a vraiment aucun danger à justement chanter un petit chant appelé berceuse, donc d'une manière monotone, parce que ça peut effectivement, en ennuyant le bébé ou en le calmant, hein, lui permettre de s'endormir. Il y a quelques quand même réserves médicales qui pensent que c'est donner une mauvaise habitude à l'enfant, puisque en fait ça va lui donner la mauvaise habitude d'attendre la berceuse pour s'endormir, mais en réalité il n'y a pas de vrai danger à part celui-là, c'est-à-dire, hein, bon, d'être réveillé par des cris si on ne chante pas la berceuse. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que, ben, de plus en plus, effectivement, le genre de la berceuse devient plus un genre musical, et même dans les définitions de dictionnaire, hein, ça devient, alors j'ai plus mes notes, mais ça devient du geste, la définition arrive à la chanson qu'on chante pour s'endormir. On pourrait aussi évoquer, hein, par exemple, l'essor des boîtes à musique, qui sont aussi reliées à cette idée, hein, mais cette fois-ci mécanique, alors que la berceuse est corporelle, d'un son monotone qui pourrait aider à s'endormir, qui du coup correspond aussi énormément à la redéfinition du sommeil que donnent les médecins à la fin du 19e siècle. Mais là, je vais encore déborder le temps, donc je m'arrête ici, sauf si vous voulez y revenir. Oui. Oui, merci beaucoup. Je ne vais pas vous interroger sur les forains, en réalité. Vous êtes plus spécialiste que moi sur la question. Quitter cette question. Mais c'est votre dernière intervention qui m'y a fait penser. Est-ce que, a priori, on écrit beaucoup donc, sur ces questions de berceuses, etc. Est-ce qu'on écrit sur, justement, les cris des enfants, des bébés qui réveillent la nuit, qui empêchent un bon sommeil? Est-ce qu'il y a, parce que maintenant, bon, voilà, c'est vraiment impensif, est-ce qu'il fait ses nuits, est-ce qu'on voit déjà apparaître ça au 19e siècle? Qu'est-ce qu'on écrit sur ce sommeil intermittent du jeune parent? Alors, on ne le nomme pas comme ça, et on est au 19e siècle, donc ça serait un sommeil intermittent de la nourrice principalement, ou de la maman, mais la maman bourgeoise n'est pas concernée puisqu'elle laisse son petit à la nourrice, sauf que la nourrice maintenant est sous contrôle, elle est amenée dans l'intérieur bourgeois, hein. Donc c'est pas elle qui va être réveillée, donc en réalité
on est un peu moins concerné qu'aujourd'hui, mais on voit quand même apparaître, et les médecins surtout, hein, dans les manuels d'instruction, enfin les médecins qui sont les plus grands écrivains des manuels d'éducation pour les jeunes filles, conseillent effectivement de laisser les enfants pleurer, justement pour ne pas leur donner de mauvaises habitudes de venir les chercher tout de suite, parce qu'ensuite, bah, ça sera bien de la faute du parent qui aura été le prendre, je caricature, mais entre les lignes, c'est un peu ça, qui aura été le chercher, hein, et qui lui a donné des mauvaises habitudes. Donc on préconise plutôt de le laisser pleurer les 2-3 premières nuits, en promettant ensuite un sommeil profond, puisqu'il aura pris l'habitude d'arrêter de pleurer, et qu'il y a très très peu de chances qu'il soit affamé en une nuit. Enfin, il y a plein de considérations comme ça qu'on retrouve dans énormément de manuels d'instruction aux jeunes filles. On retrouve aussi, on parle de la berceuse, et au contraire, c'est votre intervention qui me fait penser, par contre, on ne préconise pas un silence total, c'est pareil, on dit aux mamans, ne baissez pas la voix quand il dort pendant la journée, continuez à faire les bruits habituels, en faisant toutefois attention que ça ne vire pas au tapage. Je cite là encore de mémoire, mais effectivement à cette idée que le silence n'est pas forcément, on l'évoquait ce matin, je ne sais plus, l'effet recherché, c'est bien un certain bruit qui vont être disqualifiés, et par contre on peut continuer à vivre pour habituer, encore une fois, l'enfant à s'endormir au son du quotidien, entre guillemets. Je crois que tout le monde a fait l'expérience de voisins au concert ou au théâtre qui s'endorment et qui se mettent à ronfler. Est-ce que, c'est toujours le voisin, hein, jamais nous, bien entendu. Toujours. Est-ce que vous avez rencontré des exemples, des occurrences de ça au 19e siècle? Oui, j'en ai vu aussi, donc il doit en avoir beaucoup. Énormément. Oui. Au 19e, en fait, je ne sais pas si on peut parler de marronnier, hein, mais en tout cas, c'est... que ce soit au théâtre ou à l'Assemblée, d'ailleurs. Hein, vous avez le parallèle qui est... vous avez les célèbres caricatures de Daumier, hein, où on voit le ventre législatif avec la moitié des législateurs qui dorment. Mais en réalité, je l'ai un peu moins exploité dans cette analyse du ronflement en termes de disqualification, puisque c'est un objet de la critique littéraire pour montrer qu'en fait, pour dire qu'une pièce est ennuyeuse. Hein, entre guillemets, c'est tellement quelque chose qui est dans les représentations comme quelque chose qui existe que en fait c'est une métaphore pour dire qu'il faut pas aller voir cette pièce, enfin parce qu'on s'ennuie ou que on réfute, hein, enfin on n'adhère pas forcément à la pièce de théâtre, à la pièce musicale, etc. Donc c'est vrai qu'en réalité, mais vous avez raison de le pointer, parce qu'en fait on le lit tellement que finalement au bout d'un moment on oublie d'en parler, parce que c'est vraiment utilisé, c'est un ressort de la critique pour dire qu'on s'endort, ou pour justement comiquement dire que telle personne n'est pas assez éclairée pour comprendre telle pièce de théâtre, etc. etc. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on rencontre très 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 souvent, et qui relève plus effectivement de la critique que d'un réel sommeil. À l'Assemblée, ça va être un tout petit peu différent, hein. Ça sera une manière de dire que c'est un mauvais politique qui n'est pas capable de sacrifier son sommeil au bien public, etc. Ça, c'est un autre aspect de ma thèse, et là, il faut laisser la place aux autres. Merci beaucoup. Nous allons rester là pour cette session et ces bruits incongrus. C'est l'heure de la pause qui va être bienvenue, puisqu'après, nous avons une longue session jusqu'à la fin de la journée. Donc, merci à tous les deux. Je vous l'ai dit.